Bonjour petite Clara. Vous allez bien? Ah, un matin sur Datura. Indrim se réveillait en compagnie de ses savoureux sushis. Et d'un bol de céréales. Et un café. Donc voilà, j'espère que vous allez bien les amis. Ça fait plaisir de vous voir en cette matinée. Ah, donc qu'allons-nous faire aujourd'hui dans Wakfu? Sachant que la réédition du live d'hier, je vais pas la remettre sur la chaîne parce que c'est parti beaucoup trop en couille. Donc voilà. De toute façon, on n'avait rien fait de Fifou parce que Wakfu, ça sera principalement du farm qu'on fera en live. Donc voilà, soit on aime bien Wakfu et on vient, soit on n'aime pas. Et voilà, est-ce que je peux comprendre qu'on n'aime pas? Donc hier en live, qu'est-ce qu'on avait fait? Je sais pas si le son va bien, la musique va bien par rapport à ma voix. J'ai l'impression que ça va fort. Bah ça va, Manganou, et toi? Je vais mettre dans le salon live sur Discord si jamais tu as envie de venir, chouchou. Pourquoi est-ce que c'est quoi ce bruit là? Pourquoi il m'a fait touloulou? Je sais pas. On sait, je pense des choses bizarres ici. Des choses bizarres. Je sais pas. Bon. Hier en live, on avait fait. J'avais été voir pour crafter, pour récupérer des ressources pour crafter ces deux petits cocolas. Deux petits tonneaux que j'ai fait. Ils sont pleins d'hypocras. C'est un vin médiéval l'hypocras. Et voilà, pour décorer mon havre sac. Coucou Nathan. Canel qui dit je viens juste de me réveiller. Écoute, trop honnête avec toi Canel. Moi je me suis levée il y a peu plus d'une heure. J'ai monté l'épisode de Ronaldum pour demain, pour que vous l'ayez. Et là ils sont en cours de rendu, alors je lève en même temps, voilà, simplement. Ah, j'ai vendu des choses dans mon havre sac, regardez. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, Wakfu, les gars, je petit déjeuner en même temps, vous m'en voudrez pas. Parce que j'ai pas encore mangé aujourd'hui. En fait, tout ça ici, ce sont des présentoirs, donc des choses. Et tous les petits sacs que vous voyez, ce sont des choses à vendre dessus. J'en clique. Donc, hop, on peut voir ce qu'il y a à vendre d'ici dessus. Voilà. Il y a du stuff. Voilà. Et donc, je vois que j'ai vendu pour 3 objets. Pour 2545. Je veux dire des simflouzes, non? Des camas. Bon. Faire ma petite prière quotidienne à l'almanax. En fait, c'est très bien que je vide un petit peu mes poches. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais rien faire de super excitant, comme d'habitude dans Wakfu. Hein. Ça, je peux plus poser. Mais j'ai décidé en fait que j'allais un petit peu regarder pour tout simplement voir si je peux pas commencer à changer de stuff. C'est-à-dire trouver, donc j'ai un certain équipement sur moi que vous pouvez voir ici. Voir si je ne peux pas avoir commencé à avoir mieux. Maintenant je sais pas s'il y en a qui regardent cette rediff de live, enfin ceux qui regardent cette rediff de live, peut-être pour avoir des conseils à me donner. Voilà. J'ai ça pour le moment, hein, vous reconnaissez plus ou moins. Donc voilà, si vous avez d'autres choses bien, en sachant qu'avec la refonte du Sacrieur qu'il y a eu, je me sens mais nullissime. Et c'est justement pour ne plus me sentir nullissime que j'aimerais bien changer les équipements bon perso. Ça c'est quoi ça? Niveau 70. Niveau 70. Je suis niveau combien? 66. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est pas ouf, hein. Il y a plein de bordel sur moi comme d'hab. Donc on va un peu regarder l'hôtel de vente. Ce qu'on pourrait utiliser. Ah oui, tiens, c'est vrai qu'il faut que je nourrisse mes familiers, moi. Qu'est-ce que tu manges, mon pote? Tu manges de l'esturgeon, des becs de piou et des croquettes premiers choix, des œufs de piou. Ok. Et mon plumou. Plumou, c'est mon nom de familier. C'est mon tofu. Plumou, il mange des grains de blé, des larves et des croquettes aussi. Mais en fait, Plumou donne plus de... 30 points de vie. Ouais, le chat est plus avantageux que Plumou. Le chat, je l'ai eu, en fait. Un jour, il y avait des soucis sur le serveur et ils avaient offert ça à tout le monde. Pour
se pardonner. Je dis, tu manges quoi? Bonjour Lord Sauron, bonjour Ice Clone. Je mange des céréales, genre Kellogg's Special K, là, avec des petits copeaux de chocolat dedans. Trop bon. Donc. Je vais noter mes caractéristiques actuelles de mon casque, mes affaires un petit peu, comme ça. On va faire objet par objet, ça risque de prendre du temps. Ça se trouve, ça va peut-être même nous prendre tout le live. Hein. Je vous préviens, ça va peut-être être chiant. Vous êtes pas, je regarde quand même le chat de temps en temps. Hein. Pas vous abandonner, hein. Donc, mon casque. Il est level 49. Ouais. Je suis level 66. Hein? À un moment, faut un petit peu mieux. Hein. Et là, ceux qui ont l'habitude... 25 sur deux éléments, 15 en berserk. LM 10 résiste d'eau et 1 art du barda. Bon, en sachant qu'on est quand même bien, j'ai plus d'1 200 000, donc là on est bien, j'ai envie de dire. S'il pleut encore sur le serveur, hop, on récupère tout ce bordel, c'est bien, j'ai vendu tout. Bon. Il nous faut, donc on va regarder équipement, armure, casque, ça restera déjà, on va partir du niveau 60. Niveau 60 à, allez, 70. Bon, 63, qu'est-ce qu'on a ici? Leknask. Maîtrise d'eau, ça ne m'intéresse absolument pas. Le mien est toujours mieux. Visière, Xenispa. Poids de vie, Nit, maîtrise. Just go away. Crâne de Leitos. Apporté, poids de vie, initiative, coup critique, maîtrise. Mais c'est de la maîtrise. Moi, au niveau de mon sacrieur, je suis air et feu. Et ça se voit ici au sort que j'ai. Donc, j'ai pas cette sorte de terre, donc il faut que je regarde après un truc air et feu. Ouais, là, c'est là, il y a terre. L'eau, moi, je m'en fous. Ça, c'est plutôt pas mal. Je vais reprendre un autre truc à côté. Un autre post-it et je vais noter les casques qui sont intéressants. Ouais, j'ai arraché qu'un truc à post-it. Vous allez bien sinon les sushis, quoi de neuf? Vous avez la forme. Le Craignos, il est level 61 et il a 150 000, plus ou moins. Hop, on va le garder de l'autre côté. On prendra le meilleur. Le Cascouze qui est pas mal du tout. 15 en esquive, mais ça l'esquive, ça je m'en fous. Initiative, c'est pas mal. Parade, ouais. 2 éléments aléatoires, 25 résistances élémentaires. C'est pas mal. Casque du survivant, porter 150 points de vie. Les points de vie, c'est super important pour moi. Ouais, non. Non, je préfère à ce moment-là mettre plus de fric dans le Craignos. Labracasque. Ça pourrait être intéressant, mais niveau poids de vie... l'autre est vraiment mieux. En plus, j'ai plein de thunes, donc je pourrais me le prendre. 58 poids de vie. Si je regarde que c'est moins de 80 ou 82, je regarde même pas le reste. Sinon, ça sert à rien. Portée, 63 points de vie. Casse-couche de l'amiral. Maîtrise. Je regarde les points de maîtrise aussi, parce que ce qu'il y a, c'est que celui-là... Le truc qu'il y a, c'est qu'il faut que je lance le dé pour voir, enfin pas le dé, mais le truc pour voir, être sûr que... L'imbrécnine ancestrale.
Ça, c'est intéressant. Et il est pas cher. 25 grilles enseignementaires, dont son parade, esquive, tacle. Voisin, pas de la musique dès le matin, s'il te plaît. Tu me suis sur Facebook, regarde, tu vois que je suis en stream. Ah, 70, il a 700 000. 20 maîtrises de... Ouais, mais ce cas, c'est que ouais, ça sera trop hasard. Et là, non, le prix, je peux pas mettre 700 000 pour un casque comme ça. Portée, 63 points de vie. Non. 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 Ça, c'est pas mal. La coiffe mulante. Mais le craignos est mieux. De tous, je pense que c'est le craignos qui est mieux avec ses... Maintenant, il n'y a pas de truc berserk. J'hésite entre les deux. Je crois que je vais prendre celui-là. Je vais prendre le casque, la bracasque. En plus, qu'il est pas cher. Hop. Voilà. Déjà le casque d'acheter, les amis. C'est pas beau, ça? Très bien, attends, merci, je te remercie. Mais moi, bon, écoute, ça va, pendant que ce matin, les gens déjeunent au réveil, moi, je fais le caca des chats. Bah écoute, je l'ai fait ce matin aussi, ça peut te rassurer. Oui, Ganou, en fait, c'est que j'avais écrit une lettre à mon voisin, celui qui faisait du bruit, avec ma carte de visite, pour qu'ils comprennent pourquoi j'avais besoin de calme. Et du coup, j'ai vu qu'il me faisait sur Facebook, donc voilà. Je pense à Facebook, il me propose toujours de toujours dans les... Bah ouais, voilà, Facebook, il est un petit peu bizarre. Bon, le casque, on a trouvé. Nos épaules... Bon, en fait, on va faire ça même autrement. Tout les amis, on va faire ça même autrement. Donc, on va passer à nos épaulettes. D'ailleurs, je vais enfiler mon casque de suite. Hop. En plus, je crois que c'est un truc légendaire ou quoi. C'est un truc qui est mieux. Regardez, je regarde, il est mieux. Hein. 30, ouais, c'est mieux. Maintenant, c'est vrai que j'ai plus la maîtrise d'air. Ça, c'est un peu dommage. Maintenant, je vais déjà essayer de vendre mon casque Predator Alpha. Tiens, je vais essayer de le vendre. Hop, Predator Alpha, combien tu te vends, mon ami? Predator... Predator Alpha. Oh, je peux vendre ça minimum 10 000 balles. Allez. En plus, il n'y en a même pas, donc hop. 10 000 balles, les amis. Et hop là. Voilà. Je peux récupérer le fric de mon casque. C'est génial. Donc. Et voisin, tu fais beaucoup de bruit ce matin. J'entendais boum, boum. Mais c'est pas de la musique, c'est genre lui comme s'il sautait comme un tapé. Moi, je mange la paille de mes poules. Tu manges la... What the fuck? D'accord. Ah, j'ai mes salades qui ont ramolli. Bon courage, lol. Bon. J'avais le truc, les épaulettes du tofu divin. Le tofu divin. Hop. Divin. 20. Lol. Donc, hop, les épaulettes. On va commencer à partir du niveau 60 jusqu'au niveau 70. Qu'est-ce qu'on a? Donc, voilà ce qu'on a pour le moment. C'est pas fifou. Ouais. C'est pas fifou. Donc ça, c'est mort. Épaulette du Kraken. Ouh, ça c'est beau, ça. 3 éléments de maîtrise élémentaire. 8 en maîtrise critique, ça c'est bon ça. Sagesse, c'est pas mal la sagesse, ça peut augmenter l'expérience. Je la mets là. Épaulette mulante. Go away. Le troll. L'épaulette du troll. Lol. Il me donne moi, mais s'il me rajoute un APM, donc un point de mouvement, parce qu'il me faut des points de mouvement, des points d'action. Ouais, non, laisse tomber.
Les épaulettes poilues. Non, m'intéresse pas. Épaulette reine moche. Contrôle. Point de vie. Non, laisse tomber, c'est nul. Elle coûte combien celle-là? J'ai pas... 150 000, waouh. Ça, c'est intéressant aussi. Ouais. Non. Je préfère payer plus cher et propre celle-là. Épaulette en plume, 48 pots de vie. Non. Je vais quand même avoir mieux, quelque chose de mieux que ce que j'ai déjà. Les gars, c'est le but. Renfort, Cropole. Bon, écoutez les gars, on va acheter celle-là. On va se faire plaisir. Épaulette du Kraken. Hop. Hop. Oh, nickel. En plus, bon, ça me donne des trucs de terre, mais, et je m'en fous de la terre, mais c'est quand même bien. Voilà. Au moins, je serai un petit peu plus tuné. Et donc, on peut revendre divin tofu. Divin tofu, 10 000. Ah, oh, bah écoutez, je peux les vendre 10 000 balles aussi. On va essayer 10 000 balles. Hein. Hop. C'est sûr que ça, je vais pas récupérer, mais bon. Des nouvelles de vie, elle va bien. J'en ai. Elle travaille énormément. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Et on se parle très peu. Il faudra que je vois pour lui envoyer un petit courrier quand j'aurai le temps. J'ai un courrier à envoyer à Nilo aujourd'hui d'ailleurs pour son anniversaire. Mais j'ai pas encore le temps d'écrire à vie, je veux dire. Mais on se prend quand même des nouvelles sur les réseaux sociaux et tout ça, on se fait des petits mots. Ouais. Mais je pense, de ce qu'elle m'a dit, elle allait bien en tout cas. Voilà. De ce qu'elle m'a dit, elle allait bien. Ok, bisous Nathan. Donc, ceinture du prédateur alpha, niveau 49. Que me proposes-tu, petite ceinture? Hop. Ceinture de 60 à 70. On s'en parlait comme vous, là, les Français, là. Ceinture truchesque. Pas mal. La maîtrise est moins bien. Donc, non. Ceinture du mulot. Ah, oh, il y a plus de points de vie. 15 de maîtrise. Nope. Bien qu'elle est atterrée parce qu'elle augmente les dégâts mono-cibles. Ça, c'est pas mal, ça. C'est pour quand on fait frapper monstre par monstre. Pas tout d'un coup, donc pas de dégâts de... J'en fais un petit peu du dégât mono-cible. Bon. On va aller laisser ça sur le côté, mais c'est pas le top. Panne exotique. Coûte combien? 3000. Ouais, mais moi, l'esquive, je m'en fous. Il y a mieux, je suis sûr, il y a mieux. Ceinture mulante, 42 points de vie, 8 en esquive, 4 en nénith, 1% de coup critique, 19 en zone. Bon, laisse tomber. La merde. Ceinture de l'amiral. Maîtrise d'eau, maîtrise soie. Le soie, j'en m'en fous, j'en ai pas besoin. Pff, ouais. Y'a rien de fifou, hein. Ouais, le contrôle, ça, je m'en fous. Le ruban de la bergère. Ouais, je m'en fous. Ceinture du crabe royal, mon dieu. Je ne sais pas que les crabes portaient des ceintures, les amis. Vers, je devrais garder ma ceinture prédateur alpha. Phosphorescente, 44 points de vie. 5 de tac, ça c'est pas... Ouais, mais non, j'aime l'autre aime plus. 10. Et vais-je devoir garder ce que j'ai? La rature rouge. Eh bien, les amis, bon, le string du mulot. En fait, oui, c'est un string, purée, excellent. Oh là là.
Le string du mulou. Quand je regarde. Prospection. Je vais garder ce que j'ai au final. Je vais garder ce que j'ai. Pour la cape. Avons-nous des capes magnifiques et délicieuses? Hop. Oui, on a déjà un peu plus là. Bon. Elle donne un PA. Bon. Elle donne du soin. Le soin, je n'ai pas d'âme, mais elle donne un PA. Elle donne plus de points de vie. Elle donne moins de maîtrise de dégâts élémentaires, mais sur plus d'éléments. Elle est pas mal. C'est pas ce qui me convient encore le mieux, mais elle est pas mal. Je la mets sur le côté. Cap sanguignolante. Cap de sang frais. Des... Oh mon dieu. Ah, un PA aussi, elle donne. Parce qu'elle ne donne pas de PA. 50 points de vie. Ouais, laisse tomber. Qu'il y a dessus. Cap Arbracnide impérial. Ouh. 1 PA, 50 points de vie. 2 de parade, 20 de maîtrise. Oh, elle est, autant vous dire qu'elle est vraiment pas mal du tout. Je la mets là parce qu'elle est vraiment bien. Elle a combien? Oh, elle est pas chère en plus. Cap exotique, 1 PA, 40 points de vie. 12... De maîtrise sur deux éléments. Nap, je préfère l'autre. D'après, non, c'est stable. Ouh, ça, c'est peut-être même encore mieux. Ah, c'est sur un élément. Ah, fuck. Mais celle-là, même encore mieux. Cap infernal, 1 PA, 49 points de vie. 17 de maîtrise, non, je préfère l'autre. Trushka pour Ayel. Et coucou Petrushka, coucou Inès Joy, coucou suite du 83. Merci pour le follow, Fanny. Fanny Filou, merci beaucoup. Bienvenue à toi. Bon, la truc, j'en ai pas besoin. La Krabaka. Royal, qu'est-ce que tu me donnes? Les skis, je m'en bats les steaks. Captoadic, ça aussi, m'en fous. Rictus Elite, m'en fous. M'en fous. Donc, ça se joue, les amis, entre ces deux-là. Comparons-les. Ça, ça donne plus de poids de vie. Ancestral. Et bienvenue à Spiller 136. Bienvenue mon ami. Oui, on va jeter la truc. Ah, de la maîtrise. Oh, ça, le truc qui est chiant avec ces capes là, c'est qu'en fait vous devez claquer du fric dedans jusqu'à avoir la maîtrise qu'il vous faut. Et parfois ça peut prendre du temps parce que c'est au hasard. J'aurais bien voulu une maîtrise feu. Feu. Ah, voilà. Feu. Maîtrise feu, les amis. Bon. Ah, il n'y en a plus. Ah, j'ai acheté toutes celles qu'il y avait dans le truc. On va les taper à... Je vais la taper à... Pff, allez, à 8000. Je vais toutes les mettre à 8000. Le prédateur alpha.
Prédateur. Y a pas. Ah, mais c'est bon ça. Hop. Parce qu'il y a aussi. Ça sera très bien, les amis. Et bon, ce stuff petit à petit, c'est bien ça. Il est. Bah, en même temps, c'est un peu normal, Inès, on est le matin. Qui est assez taré que pour faire un live le matin? Bibi. Ah, un bon petit plastron. Mon plastron me donne. Plastron du scaratron ébène. Hop. On a quelques-uns. Oh, ancestral. De plusieurs, ça va bien avec ceux-là. Bah écoutez, il est pas mal. Je vais mettre là. Rictus élite. Le Rictus élite est pas mal. Mais celui-là est bien adapté avec les berserk et tout, il est pas mal. Plastron du troll. Nope. Rafistolé. Désolé les gars, s'il y en a qui trouvent que c'est chiant ce petit live. Cool, je t'ai déjà en même temps que je dis Dreams. Bon app, ma belle. Merci beaucoup, Petrushka. Bon appétit à toi aussi. Moi, mes selles ont un peu ramolli. Mon rafistolé, c'est pas énorme comme truc. Le perlouson. Le béton. Plastron du mulou. C'est pas mal ça. Mais c'est plus pour les archers. Le corbatron. C'est pas mal. Plastron infernal. C'est pas mal non plus. C'est pas mal du tout. Le sale bâton jeté. What the fuck? Oh. Le croaston de baston. Je regarde un petit peu, c'est un peu pareil que celui-là. Putain, il est pas cher! Coûte que dalle, le machin. Il coûte que dalle. Vraiment que dalle. Labratron. Ah, j'avais vraiment un plastron de merde, en fait. Hein. Complètement. Il est pas mal, mais non. Oh, oh, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Putain, par contre, je suis con parce que j'ai coché le truc afficher le prix le plus bas alors que j'aurais pu afficher tout, quoi. Donc je vais faire hop. Croaston. Si je fais ça. Que je fais ça. Elle n'a qu'un. Ce qui est super intéressant, moi je vais l'acheter. En espérant avoir les dégâts, les trucs qu'il me faut. Pourquoi j'avais décoché pour avoir le truc. Bon d'accord, ok, il m'a fait de la merde. Ouais.
Ouais. Please. Please. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Attends, Michel, parce que là, tu vas trop vite pour moi. Tant pis, les gars, si on se ruine, hein, c'est pas grave. J'ai déjà assez de fric pour le faire que pour prendre des trucs plus... voilà. J'ai ce que je veux. J'ai ce que je veux. J'ai ce que je veux. Et le reste, ben, je vais revendre. Par contre, j'ai plus de place dans mon truc. On va revendre ça, 2100. Hop. Oh, et c'est chaud les gars de faire des petites affaires là comme ça. Et coucou Lyria, coucou, je viens de me réveiller, je vais en live. Bah écoute Lyria, en live sauvage apparaît hein. C'est moi, on est le matin. Tout le monde s'étonne, je dis. C'est moi, il n'y a pas grand-mère. Mais oui, on est le matin. On est le matin, les gars, et puis je fais du wakfu, donc... C'est un peu normal. Matin, tout le monde dort. Il y a comment qui se s'est tapé pour faire un live. Bon. Si je fais ça, ça fait quoi? Les moonwalks, j'avais acheté ça. Ah ouais, j'avais acheté ça pour moi. Je vais finir mon bol de cela si vous voulez bien. Attrape ce live sauvage, les trouches-gars. Ils sont tout ramollis, c'est dégueulasse. Enfin, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas top. Bon, on a fait le casque, on a fait la cape, on a fait les épaules, on a fait le plastron. On va se faire les pompes dedans, les gars. On va se faire les petites pompes. Hop. Bien que je n'en ai déjà, mais j'aimerais bien avoir d'autres pour le moment à mettre pour l'an, parce que là, c'est vraiment... Enfin... Elles sont pas mal, hein, mais... Ouah, comment j'aurais pu les mettre? Attends, des bottes niveau 74 et... Tu rigoles? C'est où, ça? Oh, c'est bien ça. C'est carrément bien. On dirait que sur des bonnes bottes, ça c'est bien. Oh, c'est quoi? Bottes régressantes. Demi PM plus 1 PM un tour sur deux. C'est trop bien. En plus, c'est une... Oh, mais elle est pas mal. Et je la mets là sur le côté. Botte de QC Elite. Laisse tomber, le but est d'avoir mieux. Botte flaqueuse. T'es nul. Vraiment nul. Botte stick. Botte antique. Non. Botte infernale. Ouais. Ouais, c'est pas mal. En ce moment, je préfère payer pour celle-là. Arachnide impérial. Non, ça c'est des crocs à sprint. Botte du survivant.
Bon, les crocs à sprint, ça fait quoi? Donc en gros, on a ces trois paires de bottes là, qui sont pas mal. Qui donnent tout un point de truc. Maintenant, un paiement en tour sur deux, est-ce que ça vaut la peine? C'est pas mal, mais... Pff, non, j'aimerais d'avoir un truc qui est plutôt plus stable que ça. Init ou esquive? J'ai envie de dire que celles-là sont vachement mieux. Donc, croc à sprint. Croc à sprint. Ok, j'avais pas cliqué sur le truc. Bon. Est-ce qu'on en a des biens? On va regarder toutes. Là, c'est pas fait. Les dégâts sont pas lancés. Aucune des dégâts sont lancés. Enfin, il y a juste une paire ici dont les dégâts sont lancés. Donc quand je parle de dégâts lancés, en fait, vous voyez. Donc là, vous voyez, il est marqué 20 sur deux éléments de maîtrise aléatoire. Et quand je clique là, ben, en fait, 20 de maîtrise. En fait, ça veut dire que les dégâts élémentaires ont déjà été définis, en fait. Donc, bah écoutez les gars, je vais acheter la paire la moins chère et on va tester. On va essayer d'obtenir du feu et de l'air. Un petit peu de chance, les amis. Oui, et ben on n'a pas du tout eu ce qu'on voulait. toi, t'as été lancé? T'as pas été lancé. Bon, bah écoutez les gars, heureusement qu'on a du fric, hein, j'ai envie de vous le dire. C'est devenu en win d'avoir de bons équipements ici. On a déjà de l'air, c'est bien. Je sens venir le truc que je vais pas avoir ce que je veux. Ah, voilà, là j'ai ce que je veux. J'ai pas le niveau requis. Ah, c'est 68. Bah écoutez, les amis, c'est pas grave, on va les garder pour un prochain niveau. On va les garder pour un prochain niveau. Coucou nous bêtes. Veux-tu fermer le donjon bouffe pour la... Pour la panneau impériale. Enfin, infernale. Non, parce que j'ai regardé, elle est pas si folle que ça. Coucou Natsu. Elle est pas si ouf que ça, en fait, niveau stats. Coucou Wakfouté. Elle est pas si ouf que ça niveau stats. J'ai trouvé mieux. J'ai regardé la palette de vente ce qu'il y avait. Et j'ai trouvé mieux. Transmutation? Ouais. Ouais, mais c'est de niveau 50 ou moins. Moi maintenant ça je peux même les taper. Je pense pas que ça se vend si. J'ai fait une connerie, j'ai acheté un truc que le mec va faire. Oh non, Jackie, qu'est-ce que t'as acheté? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à Wakfu. Enfin, que j'ai plus joué à Wakfu de façon suivie. Je plaide coupable, les amis. Je peux te faire n'importe quel donjon. C'est très gentil, Mr. Cube. Là, je regarde un petit peu ce qui pourrait m'aller comme équipement, pour te dire. Donc là, c'est un truc très cool. Je me ferai peut-être un... Je regarde l'heure qu'il est. Ouais, c'est bon. Je me ferai peut-être un petit donjon après. Je pense que j'aurai le temps. Je regarde juste après des bons petits équipements pour être vraiment bien parce que j'avais des trucs mais qui dataient de Mathusalem. Hop. Alors, regardez, des petites amulettes. Amulette la selle. Hop. Je mets des gens qui me mettent dans leur groupe alors qu'ils disent même pas bonjour ni rien, je sais même pas qui c'est. Ben, non, écoutez, non, juste non. Je risque de peut-être pas forcément jouer avec vous maintenant vu que je suis en train de streamer. Enfin, pas de streamer, mais de. Je suis occupée. Qu'est-ce qu'on m'a envoyé? Mais j'ai dit bonjour. Ah d'accord, Bastoura, c'est toi. C'est quoi ton pseudo, je sais pas. Faut que tu me dises ton pseudo.
Sur mon chat Twitch, si tu es un abonné, je ne vois pas le truc, donc voilà. Donc, 71 points de vie minimum, l'étendue du gras, c'est nul, hein, c'est pas pour moi. Maîtrise, yop, non. Bouffe-toi, enragé. Oh, ça c'est bon, ça. Berserk. Ah, ça c'est bon. C'est pas mal du tout, ça, les amis. La ruse du roublard, 20 maîtrises. Ouais. Non, quand je regarde ici, on a le donne un PA. La ruse du roublard. Ouais. L'œil du borgne. Oh lol. 60 points de vie, mais elle a un PA en plus, 9 en init, 12 de maîtrise, celle que j'ai limite. Le sang du sacrieur. Un PA, deux niveaux de sang élémentaire. Ouais. Putain. La description. Pour vernir cette amulette, le sacrieur a dû la tremper dans le sang de ses victimes, ce qui donne une couleur très vive. Lol. Natsu, si tu veux venir. Sur le Discord, tu peux, hein, je suis dessus. Les guildes font toujours ça, ah wow, ils invitent sans te demander ton avis. Mais t'es pas une invitation en guilde, hein, c'est une invitation de groupe, parce que de toute façon, je suis chef de ma propre guilde, donc du coup, on sait pas m'inviter. Ça va faire, ah bah c'est pas mal, j'ai déjà dans une guilde. Bon, le shopping du Pandawa, je m'en fous. L'amulette reine moche, 60 points de vie, plus un PA, plus maîtrise de... En fait, je vois qu'il y a plein de trucs qui ont changé, au niveau des jets, des trucs, ça a changé grave. Le tofu divin. Broche céleste. C'est pas mal. Je regarde par rapport à l'autre ici. Ouais. Donc Zélor, ça je m'en fous. Je regarde un petit peu les trucs aussi si je vois que... C'est pas adapté à moi. La Madiani Rip, ça, je m'en fous. L'abramulette. Mais ça, c'est bien, ça. J'aime beaucoup celle-là. La vapeur du streamer. La vapeur du streamer. Ouais, ça, c'est le streamer. Quand il sait plus laver depuis un certain temps, il fait des vapeurs. N'importe quoi. On va prendre donc l'amulette du bouffeton enragé. Je la trouve. Je plus sois son utilisation. Voilà. On va commencer à être bien là, les amis. Non, je tiens à préciser, les amis, pour ceux qui veulent me rejoindre sur Wakfu, sachez que ce jeu est gratuit. Gratuit. C'est un petit MMORPG qui est tout sympathique, qui est gratuit, je le dis. Je vous le rappelle, mes amis. Donc, j'ai le casque, j'ai les épaulettes, j'ai le plastron. La ceinture, on avait dit qu'on ne changeait pas. Les anneaux. Des petits bijoux, les petits bijoux de la Dreams. Hop. J'ai l'anneau Stradamus, n'importe quoi. Anneau Arago. Ouais. Je garde d'abord de base les points de vie. Si je vois que les points de vie sont moins bien que ce que j'ai. Le Corbano, ouais. C'est vrai que j'ai deux anneaux, tiens. Hop là. Salut Jody. Hey, coucou, tu vas bien? Ouais. Ça sent le matin. Ouais. T'as même pas idée. Ah, c'était bien compliqué ce matin. À ce point-là, t'es dormi à quelle heure? Je sais plus quelle heure il était. Attends, il est 10h35. Alors, j'ai dû me coucher, il était 4h du matin. Ah ouais? Merci aux voisins. Pourquoi? Bah parce qu'en fait ils ont jugé bon de continuer un petit peu le 14 juillet. Donc bah ils ont balancé des pétards et tout ça. Enfin voilà. Oh, le bâtard. Impossible de dormir jusque à peu près 3 heures. Et t'as pas appelé les flics? Bah, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'en est chargé avant moi parce qu'il y avait un ras-le-bol. On partait du principe, d'accord, c'est le 14 juillet, s'ils veulent en profiter,
voilà quoi, qu'ils en profitent. Mais à la fin, je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû péter un plomb, qui les a appelés parce que ça, apparemment, ça a sonné chez eux. Et on n'a plus rien entendu après. Donc on, moi, je soupçonne qu'il y a quelqu'un qui les a appelés, quoi. Et puis, bon, on n'a plus rien entendu après. Donc moi, j'ai mis un peu de temps avant de m'endormir. Ouais, je crois que sur le coup de 4 heures du matin, j'ai dû m'endormir. Puis je me suis réveillé... Je sais pas quelle heure il était. Il devait être 9h aidé parce que j'ai mon téléphone. Il n'a pas arrêté de biper. Allez, on se réveille. C'est en mode. Ah non, mais en mode grosse larve. Putain. En plus, mon chat qui arrêtait pas de miauler. Hey, nourris-moi. J'existe. Je vois. J'étais là sous mes couettes, j'ai dit oh, ta gueule. C'est tellement ça. Costume de Frida Moffett. Oh, j'ai regardé après des équipements sur Wakfu. Excuse-moi, parce que là je... Ton aise, chouchou, t'inquiète. Eh ben qu'est-ce que tu fais toi, mais t'es pas cintré. T'es pas cintré. C'est quoi cette expression? T'es pas cintré, d'accord. Non mais... Elle monte sur mon imprimante. Et ça va, oui. Putain. Oh mon dieu, quoi. Ouais, en tout cas, apparemment, elle est bien réveillée. Au moins, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui est réveillé dans cette barque. Après, il va falloir que je prenne un de ces cafés. Ah, je te raconte même pas. Ah, moi, j'ai pris un petit café, là, maintenant. Je commence à me réveiller. Après-midi, je vais... D'ailleurs, c'est des petits sushis belges. Cet après-midi, dans ma ville, il y a une truc médiéval. Ouais. J'irai. J'en ai mis à moi qui y est, qui vend de l'hypocrase. Ah, c'est pas ce qu'ils avaient vendu à la ouais. Gameplay. Bah, c'est ce gars-là. Oh, d'accord. C'est ce pote-là, donc du coup, ben, comme c'est un très bon ami à moi, eh ben, je vais aller le voir. Et, voilà. Tu vas faire moultes et moultes achats. Je ne sais pas, est-ce que mon homme m'a offert 2 bouteilles il y a 2 semaines que lui vend, hein, donc je ne sais pas. Je n'ai pas encore fini ma première bouteille, donc on va se calmer, tu vois. J'imagine tellement, on va arriver. Alors pour fêter notre mariage, on va un peu profiter de la bouteille. Ah mais à mon mariage, on aura du vin comme ça, il y en aura, ça c'est prévu. Ah. Bah. C'est prévu. Oh coucou Bouboun, il est levé le Boon. Ça va, oui. Ça va. Bien et toi mon grand? Mon grand. Mon grand n'est pas petit. Non mais ça fait genre comment tu vas mon grand? C'est ce que tu dis, c'est je te frappe la joue, tu vois, je la passe, tu vois. Et ça fait un peu la grand-mère quand elle doit ton enfant. Ouais. Bonjour mon c'est grand. C'est ce que je dis. Comment vas-tu? C'est ce que je dis à mon petit neveu. Bah là mon grand. Comment ça va, Bonne? Bah, ça va très bien, et vous? Ça va. Moi, je viens juste de me lever. Je viens juste de me lever, je suis défoncé. J'ai été averti par mon téléphone que jeudi streamais, je me suis dit, bon, enfin, allez. Se réveiller. C'est tellement ça. J'ai dit, bon allez, on va s'extirper de son pieu. J'ai vu ça en allumant... En allumant Discord. En allumant, oui, bon. Et vu que t'étais en live, j'ai dit, oh, mais tiens, dès le matin... Oh, il est classe, ce costume. Le costume du vampire, il est beau. Oh, il coûte 800 000, hein, mon anu. Non, mon anu.
Qu'est-ce que j'ai de costume? J'ai envie de... En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai envie de changer un petit peu de gueule. Et donc, maintenant, elle veut ressembler à Twilight. Non. Non. Lequel? Hésitation ou usurpation? Excitation. 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 La excitation. Caliente. Voilà, je vais mettre ce petit truc-là. Ce petit machin-là. Ce petit truc-là. Voilà, hop. Bon. Ça, c'est fait. T'as acheté pas des costumes à ton level? T'as acheté pas des costumes à ton level? Ah, ok, bah, très bien. C'est pas très utile à ton level. Bah, si, pourquoi? Ce que j'ai. Il est très bien ce que c'est. C'est très bien ce que j'ai pris. Ce qu'il y a... je t'explique un truc. Mr. Cuber. Le truc qu'il y a, c'est que si. C'est bien le truc avec le level qui va bien, mais si les stats ne suivent pas, je vois pas l'intérêt. Je préfère prendre des trucs qui sont un peu plus bas level, mais dont les stats sont plus utiles, sont mieux que quelque chose. Enfin, voilà. Et là, j'ai pris ce que j'ai trouvé à l'hôtel d'or. Maintenant, peut-être qu'il y a d'autres choses. Voilà. Chacun prend un peu ce qu'il veut. Et pour moi, je prends ce qui, moi, me semble bon pour mon personnage. Ce que j'ai pris là me semble correct. Donc, voilà. Et oui. Ah, c'était peut-être 5. Les costumes n'ont pas d'effet. Je sais que les costumes n'ont pas d'effet. C'était juste pour le style. Je le sais, je ne suis pas débile. Je t'explique. Je t'explique. Attends, deux secondes. Ça fait des années. Je joue à Wakfu depuis la bêta, par épisode, certes, mais je ne suis pas si con. Je ne suis pas si con. Il n'est pas marqué abruti sur mon front. Depuis tout à l'heure, si je regarde l'encart ou des trucs, je sais que ça n'a pas d'effet. Je le sais. Des gens en live dès le matin. Ben oui, Azenshin, qu'est-ce que tu crois? C'est comme ça que font les vrais professionnels, hein. Tu vois la grosse connasse, tu vois. D'accord. Donc en fait, dois-je comprendre? Mais je déconne. Je ne stream pas. Je déconne, hein, c'est juste. Parce que c'est juste. Je suis pas professionnel, d'accord. Non, okay, mais le bon but, c'est juste de troller Azenshin parce que c'est drôle. Ouais, oui, je sais. Parce que c'est drôle. Je sais. Moi, j'ai pas de costume. Et ben, moi, j'aime bien avoir des costumes, c'est tout. J'aime pas d'avoir le truc où tu ressors de trucs de base ou... Non, j'ai envie de... J'aime les petits costumes, c'est mignon. Simplement. En même temps, c'est normal. Je suis une meuf. C'est une femme, elle aime bien avoir beaucoup d'habits, c'est logique. Ah, mais c'est quoi ce stéréotype de merde, là? Ça va aller, là? Je suis pas ici pour souffrir, ok? J'adore, tu me fais trop rire. Bah écoute, Petrushka, j'en suis ravie. Bienvenue à Marie Poutine. Bienvenue, Marie Poutine. Bon, on va aller faire la prière du jour à l'Almanax. Et on va aller se faire un petit donjon, moi je vous le dis. On va aller se faire un petit donjon. Tranquilou-pilou. Bon, puis moi j'ai craqué, j'ai acheté Nier Automata. Bah ça qui me dit, et pourtant, donc j'ai pas caché le costume, mais pourtant je suis classe. Bah, chacun son truc, moi j'aime bien d'avoir un petit costume. Hop. Donc tu veux que je fasse un donjon ou pas? Bah je sais pas ce que je vais faire comme donjon à vrai dire. J'en ai aucune idée. Regarde les stats, mais c'est pas une raison pour avoir une sale tenue à la raison. Bah voilà, ah bah voilà, Petrushka l'a compris, Petrushka. Elle est pas débile, Petrushka. Enfin, je ne dis pas maintenant que t'es quoi que t'es débile à la dingue, là. Mais je ne le dis pas. Coucou de Locos. Je ne dis pas ça. C'est juste que. Voilà. Voilà, ouais. Enfin, Mister Cub. Voilà. Yallo, je viens de me lever. Et bah voilà, il y a tout le monde qui arrive en fait. Je vois que vous commencez à être un peu plus nombreux sur le live. En même temps, Az qui était en mode, ah, déjà en live, mais oui, j'ai pris mon petit déjeuner en live, je vais me laver en live, prendre ma douche. Non, j'ai pris ma douche avant de commencer à laver. Ah, d'accord, je veux dire, elle prend sa douche en live. Oh, ouh, le nombre de viewers qui monte d'un coup. Là, tu vois, c'est passé de 24 à 240, tu sais pas. T'as rien compris. Bon, je vais aller à l'avant-poste, mais je sais pas du tout. Bastoura n'importe lequel. Quel donjon? Tu fais quel niveau, Bastoura? Attends, je vais t'ajouter en groupe. Hop. Oh putain, j'en ai marre de bailler comme ça, sérieux. Bastoura, il fait quel niveau, ce petit? Oh,
153, d'accord, ok. D'accord, ok. Moi à côté, je suis la niche du chien à côté. Ah ouais, n'importe lequel, d'accord. Ok, ok. J'adore okay. Dolokos. Plus tard, on aura Jody Dreams accouchant live. Non, 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 non. On va se calmer, les enfants. J'aurais une anecdote que je n'ai pas vécue, moi, à raconter, mais je ne sais pas si ma mère serait d'accord que je la raconte. Je sais pas si mes parents seraient ok que je la raconte. Change les noms, on verra pas. D'accord, mes parents, je vais te dire mes parents, t'es con toi. T'es con. Tu dis que c'est les parents de Michel. Oh, et puis après tout, tout le monde est au courant dans ma famille de ce truc là. En fait, quand ma mère a accouché de moi, quand je suis née, mon père était tellement content que ma mère accouche, que pendant l'accouchement, il a pris des photos. Mais de l'intimité de ma maman. Et il les a montré à toute la famille. En mode, regardez, c'est mon bon enfant qui naît. Et ma mère a pété un câble quand elle a vu les photos, elle les a déchirées. Tu m'étonnes, montrer tout ça à tout le monde, le truc, moi ça me rendrait dingue. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai 29 ans. Et qu'à l'époque, c'était pas l'époque comme... L'époque, oh putain, je me sens vieille. C'était pas comme, comme maintenant, où les photos sont sur... La pauvre maman de Jody Dreams, je la comprends. C'était pas comme maintenant où les photos bah, sont sur l'appareil photo, sur le téléphone ou quoi, ou sur l'ordi. Non, à l'époque, on les faisait développer. Donc j'imagine bien la gueule du mec qui a développé les photos, qui a vu la chatte de ma mère. Oh là là, bon. Voilà, bon. Tu m'as dit n'importe lequel, Bastoura. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Qu'est-ce qu'on peut se faire? De quoi as-tu envie? Hop, J'avoue quand même, je dis que ta communauté est au taquet pour un... Qu'est-ce qu'il y a? Au taquet! Parce que je regarde encore sur que ce soit le véritable nombre de viewers. Là, je vois 24 viewers. Je me dis quand même que pour un samedi matin, 10h48, je me dis tout de même, ta communauté, elle est au taquet. Ah mais complètement. Oh purée, pauvre maman de la Dreams, moi je l'aurais tapé un coup de balai. Oh, t'inquiète, moi ces gens ont dû voir de tout. J'ai un oncle qui travaille dans ce genre de truc et un jour il a eu droit à un type qui venait faire développer des photos. Oh purée. Ok. Non, non, passe-toi, enfin, Mister Cube, je te laisse choisir, tu me dis, et on y va. Maintenant, faut que je juste colle par rapport si j'ai les clés ou pas. Je sais plus s'il y a un système de clés ou pas avec les modifications qu'il y a eu. Au-delà de la ligne, ça te tente, pourquoi pas. Il n'y a plus de clés? Ah ok, il n'y a plus de clés. Ok. Ok, ils ont changé le système alors. Ah bah écoute, c'est pas plus mal. Non, je sais pas si j'ai le truc ou pas de l'endroit. Je sais plus où c'est l'hôtel de la lune. Est-ce que c'est pas sur le truc des... C'est pas sur le truc des mulots? Dans ce cas-là, je ne l'ai pas. Dans ce cas-là, je ne... Ah, Sadida. Est-ce que je l'ai, Sadida? Je pense pas que je l'ai. J'ai les quatre pattes, Lilo Moine, Kelba... Royaume Sadida. Voilà, si je l'ai. Bon. Hop. Merci beaucoup, Bastoura. En plus, je l'ai jamais fait, celui-là. Donc, ça sera une bonne petite expérience à faire. Il y a Dolokos qui te dit « Le mieux, c'est de faire le donjon de la Noon. » Sac de 23 places à e-drop. Ah. Donc, je sais pas. Bah écoute, moi ici on m'a proposé ce donjon là, donc je le fais. Voilà, c'est ton stream, c'est toi qui gères.
Et moi, je m'étire un peu. Tu m'étonnes. Hop. Oh la vache. Oh, ça va être dur, cette journée. Oh, je le sens. Bah, je vais d'abord faire celui-là, et puis après, on verra. On verra. Hop, hôtel de la lune, entrer dans le donjon. Hop, allons-y. Entrons, mon ami. Allons-y gaiement. Est-ce que fabriquer... T'as mis un donjon. Ok, on va faire ça. Rentre. Ah, voilà, nickel. Bah attends deux secondes, je vais juste prendre mes compagnons avec moi si tu veux bien. Bon, ils vont se faire un petit peu défoncer, mais c'est pas grave. Ah merde, il m'a pas laissé le temps. C'est pas grave, tant pis, y a pas de problème. Ah, c'est pas grave, écoute, t'inquiète pas, je vais juste prendre mes deux compagnons avec moi, y a pas de problème. Après, t'es quel niveau, je dirais, Mika, le donjon de la naine. Ah ouais, la naine, ok. Moi, je suis niveau 66, donc 81 et plus, je sais pas encore le niveau. Il est, en même temps, il est niveau châle. Châle, ne pas tomber KO, ouais, ça peut être bon. Achever le dernier ennemi désigné. Achever l'ennemi... Ouais, on peut, ok. On peut voir pour se le faire. Ok. Je voudrais que ça fasse exprès. D'accord, ça m'aurait plu aussi de jouer. Tu tapes trop fort, mec. Tu tapes trop fort. T'es trop fort, mec. Nous ne sommes pas du même niveau. Ah, complètement. Il a plus du tout de mon niveau, donc. Ah ouais. Mais écoute, en même temps, il fait un smile, alors wouhou. Bah écoute, y a pas de problème. Hein, écoute. Hop, allez. On y va. Qu'est-ce que achever les ennemis dans le dos, ouais non ça me saoulait, terminer son tour sans être corps à corps avec un ennemi. Ouais les deux vont être chauds là, les châles là, je te le dis déjà. Attends si tu butes tout. Je suis en train de me faire PL. Je suis en train de me faire PL, d'accord, tout va bien. Y a pas de problème. Imhotep, ok. Je dis qu'il est en mode je le vis très bien. Ah mais écoute, de toute façon, bon, t'as pas le choix, hein. C'est ça. Je dis que ça va pas toucher au clavier du donjon. Si, juste pour avancer. De salle en salle. hop, je vais prendre ce côté-là. Si tu veux bien me laisser jouer. Ah. Ne pas achever l'ennemi en année désignée. Ok, c'est bon, c'est de ton côté, c'est pas du bien. Ah mais non. Ah mais non. Mais non. Mais laisse-moi mes méchants. Va faire l'autre côté. Mais c'est même pas marrant. Ouais, mais je vais plus jouer avec toi, moi. J'ai même pas touché un ennemi. What, c'est quoi? Purée, j'ai cru qu'il avait des baguettes de pain dans la main, le machin. Des baguettes de pain. D'accord. Oh non, de la tartine. Pouf. Bah voilà, j'ai pris un level. Je sentais venir le truc. Voilà, j'ai pris un level. Bah voilà, c'est... Je dis, merci beaucoup pour le niveau. Pour, t'es en train de me PL, là. T'es en train de me faire... Bah écoute, c'est très très gentil. Hein. C'est très gentil. Mais, ah ouais, bah... on a quand même une belle différence de level. Ah bah il a plus du double de moi. Ah si, je l'avais déjà fait ce donjon là, si. Oh, qu'est-ce qu'on avait galéré en plus à l'époque où je l'avais fait. Je pense même pas qu'on l'avait terminé. Par contre, je suis fan du boss qui s'appelle la lune poilue. La lune poilue. Eh mais t'es un fifou à Bastoura. Bastoura il m'a fait bah écoute on fait le donjon que tu veux hein. Go bah écoute allons-y hein mon ami. Allons-y. Bon par contre je suis pas sûr de vouloir continuer à jouer avec toi parce que la différence de niveau est tellement importante que là je dois dire très honnêtement je n'ai pas plus que de plaisir à jouer. Très honnêtement c'est un petit peu... Non mais écoute je suis franche, je vais pas passer mon temps à vous mentir. Ouais. À partir du moment où j'arrive juste pas à taper un mob.
et que je suis juste là, bonjour, je suis la speakerine TF1, le petit sourire et le petit coucou, et c'est bon. Non, ça m'intéresse pas. Inès, des baguettes de pain dans la pain, attaque du pain. C'est le Pinception. Ouh. Pinception. Inception du pain. Le nouveau film de Christopher Nolan. C'est tellement ça. C'est parti le 26 août. Et pourquoi le 26 août ? Parce que. Il y a d'autres parce films que... mieux qui sortent en mois d'août. Bigfoot Junior ! La Valérienne. Il y a Bigfoot Junior aussi. Bigfoot Junior aussi, il a l'air pas mal. Ah, mais j'avais l'air... besoin de ça il y a longtemps en plus, ça a l'air marrant. Je pensais que c'était un genre à Pixar ou un truc comme ça. En fait. Ah non, c'est pas un Pixar, c'est quelque chose bien belge. Bah ouais, pour un truc européen, franchement, graphiquement c'est super beau. Ah, graphiquement, c'était au top. Hein. Ah, mais grave. En France, on est bon aussi dans les trucs comme ça. On n'a pas forcément les moyens budgétaires, mais même des petites animations dans des petites séries, font des trucs vraiment, c'est vraiment sympa. Ah bah en France, disons que nous n'avons pas les mêmes priorités budgétaires. En France, on préfère par exemple développer les bureaux de notre maire à Paris, par exemple. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ouais, il manque le jacuzzi dans le bureau, c'est pour ça. Ah, le jacuzzi. On n'en parlera jamais assez. Ah oui, il y a maintenant. Pour le bien-être des Français, c'était important. Ah ben bien sûr, bien sûr. Non, ça ne parle pas du tout mal. Crash de ça ne trash-talk pas. Je ne vois pas du tout ce que vous voulez. Jamais. Nous sommes des gens respectables, nous. Mon Mr. Cuber, tu m'en voudras pas, hein. Tu m'en voudras pas, mais juste... Enfin, il fait yep, plus, ok. Ben, mais écoute, je te remercie beaucoup pour ta compréhension, c'est très très gentil. Parce que là, j'ai même pas tué le boss, en fait. Tuer le boss, donc comme j'ai pas touché le boss, et ben mon truc n'a pas été validé. Putain. Donc voilà, bah écoute, je te remercie. Attends, je vais même te faire un câlin, Mr. Cuber, pour te remercier quand même, parce que tu m'as quand même aidé, tu m'as permis de gagner un niveau. Ah, moi, je fais des câlins, moi, aux abonnés, hein. Hop. Oh, c'est mignon. Voilà, hop, viens là. Voilà, je te chatouille. Guili. Ah, bah... Voilà, c'est fait. T'as eu ton câlin. Mais qu'est-ce que tu chatouilles ? Tu veux pas savoir. Oh. Personne ne veut savoir. Alors, en tout cas, je te remercie beaucoup. Grâce à toi, j'ai quand même gagné un niveau, mais voilà, il faut quand même que je puisse... Voilà, quoi. D'ailleurs, j'étais en train de réfléchir à un petit truc hier. Je me suis dit, pour Jody, il faudrait lui faire un petit acte de présence et également lui montrer que nous sommes fiers de l'avoir en tant que youtubeuse et streameuse, bien évidemment, en lui offrant un magnifique jeu d'horreur. Ah non, non. Je t'explique, bêtement, une map Minecraft à Halloween, j'ai failli faire une crise d'angoisse. Donc non, je suis beaucoup trop sensible aux ambiances et tout ça. Beaucoup une trop. Map Minecraft horreur, t'as failli... des maps Minecraft horreur qui existent, et oui, j'ai failli faire une crise d'angoisse en live, donc... Oh la vache. Ouais, non, c'est qu'il y a le problème. Regardez quelqu'un jouer à un jeu d'horreur, il n'y a pas de problème. Je regarde les lives de GusDX le mardi soir, de temps en temps jeudi soir. Il y a aucun souci. Mais ce qu'il y a, c'est que moi y jouer, c'est mort. C'est pas possible. C'est... Mais je me suis quand même endurcie, hein, mais enfin voilà quoi, c'est bien relou, c'est bien relou. Il y a rien qui dit comme ça. Non, un jeu mignon. Un jeu tout mignon. Mmh. Attends, non. Attends, mais même les récompenses de quête, tu vois, de plus de trucs. Oh putain. Ok. Bon, des vacances au soleil. Bon, je vais peut-être commencer la petite quête ici. Peut-être juste voir par rapport au truc de guild. Truc de guild.
Poids de guilde. Accepter, accepter, accepter. Y'a c'est bon, les trucs de guilde, ils bug. Faut pas maltraiter la Dream, sinon je vous tape. Liria, choupinette. Pas taper, Liria, pas taper. Nous, on est gentils. Évidemment. on veut juste la PLS de Jody, c'est tout. La PLS. Hein. Bon. Je pense que je vais faire la genre de petite quête de l'été, coquillage et sable fin. Donc des vacances au soleil et une bonne compagnie, cela vous tente. Venez me voir sur Astrub, je vous attends. Ok, on y va. Donc on a une petite quête pour l'été, je pense, qui dure 51 jours, cette petite quête. Bon, on va aller la faire. Hop, un petit peu ce qu'on pourrait avoir de bien pour Astrub. Hop. Un bouboune. Bah tu es coup de couteau avec un gun, c'est mieux un bouboune. Il y a Liria qui te donne un petit message. Petit message d'amour. Mais non. Bon. Tu es cruel. Comment oses-tu? Lol. Mais moi je suis gentil. Fête de la madrague. C'est quoi la madrague? C'est une fête apparemment. Ma main drague. Non. Non, non, non. Selon le jeudi, la fête de la madrague serait une fête. D'accord, ok. Le cucurbitacé en période de reproduction. Elle le fait tellement bien. Ah ok, c'est un méride, ok, il faut parler au méride. Et genre, j'avais entendu la même chose, c'était hier, je crois, quand tu... Non, je sais plus quand c'était, quand tu... Non, c'était quand tu avais fait le Use Your Words, et genre que tu avais remercié la personne pour le don, t'avais refait la voix robotique du... Enfin, tu sais... Non, la... c'était hier que j'avais fait ça. C'était non, c'était hier, ouais. Et genre, tu avais refait la voix du bot... Qui t'avait remercié, enfin qui, genre tu l'avais fait tellement bien, je me suis dit mais putain elle a fait ça toute sa vie, c'est pas possible. Et genre c'était incroyable. Et même là quand tu viens de refaire, genre tu vois la petite voix, aujourd'hui nous allons voir la reproduction des coccinelles en direct. Le mâle s'approche de la femelle. Bon. c'est tellement ça. La manière qu'elle a de le dire, c'est on dirait qu'elle a vraiment fait ça toute seule. De locos, il faut pas oublier la galinette. Non, ça la galinette, c'est ça. Alors la galinette te sonnerait, on a la chance de la galinette. Le cri de la galinette. Coucou coucou coucou. Coucou coucou coucou. C'est pas pareil, c'est de locos. Cocorikikiki. Celui qui n'aime. Coucou. Bon, qui n'aime qui vont chanter des corikikikiki, hein, qui n'aime le pot, il arrive. Enchantée, jeune vacancière. Je suis Gnat, méride de ce somptueux et chaleureux été. Je cherche de fiers voyageurs pour ramasser du sable fin et de braves aventuriers pour se rendre sur la plage de la madrague. Faites-moi dire cette personne. D'où ce sable fin? Ce sable provient d'une petite île proche de Bilibiza. Il s'accroche aux divers monstres du monde. D'ailleurs, je crois bien avoir vu des bouteilles dérivées avec le sable sur les nations. Je crois qu'il y avait des messages intérieurs. Des messages dans les bouteilles? Oui, des messages. Enfin, un bout de papier, je n'ai pas pris la peine d'y jeter un coup d'œil. C'est trop fatigant. Dorer mes coquillages au soleil, c'est ce que je préfère. Ces messages veulent sans doute dire quelque chose. Important, sans doute, devrais-je jeter un œil. Donc, trouver le message des bouteilles d'Amaknatre. Putain, oh le truc bien relou. La quête relou. La quête relou. C'est quoi ça? Clé du truc marin, la boussole compatissante et... Ça fait quoi une boussole compatissante? Bon. Eh ben les amis, on est parti. Hein. On est parti pour commencer cette quête. Cette quête. Et maintenant... En compagnie de Shotty Dreams, nous allons chasser la galinette cendrée.
T'es con. Ah, ce mec, je vous jure. Enquête relou, tu as la quête du disciple de Tomai qui est proche du dompteur de Dragodin. Ouais, mais ouais, ouais, elle est bien relou celle-là. Mais un peu trop, mais à mon goût. Du dragodinde. C'est une... ce sont des animaux. Bah là, regarde dans le live, je sais pas si tu vois. A l'air un peu intelligent, là. Je me trouve à côté, voilà. Ça, c'est une dragodinde. D'accord. C'est un genre un mélange entre une dinde et un vélociraptor. Voilà. Pardon, d'accord. Mais c'est gentil, hein, c'est gentil, c'est herbivore, c'est... Enfin, je crois. Je pense. Donc en fait, tu chevauches un vélociraptor en forme de dinde. Tu chevauches une dinde, très bien, donc on le vit très bien. Un vélociraptor, quoi. Oui, enfin, je sais pas, mais un vélociraptor, si tu compares un vélociraptor à une dinde, ça fait déjà une belle grosse dinde quand même, hein. Bah, non, c'est pas un vélociraptor, parce que le vélociraptor c'était tout petit, c'était la taille d'un chat, donc... Lui, tu dis un interraptor, c'est la taille d'un abonné, donc ça va. Ok, donc je dois me rendre à l'autre bout de la planète pour aller chercher ce truc-là. Bon bah les gars, on est parti. Hein. De quoi fait, tu chevauches un interraptor, voilà. Ou un bébé T-Rex, ça marche aussi très bien. Ouais, enfin un bébé T-Rex, la personne. Maintenant, j'ai la mienne dragonnade qui est plus classe. Hein. La mienne, elle est plus classe. En plus, elle a un truc en obsidienne. Non, elle est classe, la mienne. Celle de Drago Express, elle est moche. C'est un dinosaure. Mais ça, c'est normal, vu que c'est la tienne. Donc, forcément, elle est mieux. Elle est mieux que les autres. Ben oui. Complètement. Ben oui. Mais je sais que maintenant, ils ont fait des bouffe-tout. Donc, c'est ce genre de gros bélier arc-en-ciel que tu peux chevaucher. C'est génial. Je chevauche un bélier arc-en-ciel. Bah ça fait un peu comme le Nyan Cat, tu vois, il pète des paillettes, tu vois. Oui, c'est ça, c'est ça. Et en fait, à mon avis, quand tu vas voir ton ou ta pote, tu vois, tu lui dis « Je chevauche un bélier arc-en-ciel. » D'accord, c'est t'as qui pris de la drogue ? Ça s'appelle Moutmout. la mienne de Dragodinde, parce qu'on peut mettre des prénoms, je l'appelais Mini Mystix. Oh, c'est mignon. Dragodinde. C'était la maman, c'était une dragon. Deux secondes, je sais pas, deux secondes, parce que je regarde juste un truc. Faut juste que je regarde un truc par rapport au rendu que je traite pour le moment de mes vidéos. Si vous voulez vos vidéos pour demain, pas votre vidéo de demain. Est-ce qu'il faut qu'on... Ah oui, tiens, je vais en profiter pour dire un... Ouh là là, ta gueule. Je vais en profiter pour dire un truc aussi. Attendez, je regarde si c'est bon. C'est nickel. Hop. Voilà. Je voulais vous dire aussi, ceux qui me suivent sur les Sims, j'ai mis fin au partenariat avec Direct Sims. Voilà, comme ça vous savez. Pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici, mais voilà, comme ça vous ne soyez pas surpris si vous ne voyez plus l'intro du Direct Sims dans les vidéos. Des choses qui arrivent. À la place, nous aurons jeudi avec des oreilles de lapin. Voilà. Ah, mais même, il n'y avait même pas besoin de ça, hein, tu sais. Donc, il faut que je descende par là. Donc, ceux qui se demandent pourquoi est-ce que j'ai un drôle de symbole au-dessus de la tête de mon personnage, ça veut dire qu'en fait, je suis illégal dans le pays où je suis. C'est-à-dire que le pays de Bonta est en guerre avec mon pays à moi, avec ma nation à moi. Et que donc du coup, ben, s'il y a un Bonta qui se dit « Ah ben tiens, oh les légales, tiens, on va se battre !» Le gars peut m'agresser. Il aura le droit en plus, donc voilà. Donc ça que je ne traîne pas, il faut j'essaie de ne pas trop traîner dans le truc. Donc juste aller chercher ma bouteille et c'est bon. Je dis, est-ce que je peux jouer avec toi? Bah écoute, si tu veux, si tu fais la... Enfin, moi, je vais faire la quête du truc, donc... mais ouais, tu peux, ouais, écoutez, si tu veux. De Locos, j'adore. En clair, Jodie est une Mexicaine aux USA. C'est un peu ça, ouais. C'est même complètement ça, les amis. Elle a franchi le mur.
Elle a creusé un tunnel en dessous, en fait. Complètement. Alors, mademoiselle Jody, vos papiers, s'il vous plaît. Vous êtes mexicaine. Des feuilles, ça marche. Papier cul, papier quoi Tu m'habites dans ton, tu m'habites dans ton groupe. C'est quoi ton pseudo, Bakfouté? Quoi ça? Faut que je fasse un truc au niveau des trucs parce que j'ai trop de gens dans mes Wow! Splendid! Oh, qu'il n'aime déjà! Un dernier don car j'en ai pas fait pendant un an et que ta qualité de vidéo et de live est toi SIMPL. Oh. Aiment, le mérite émoticône souriant. PS, tu as retweeter mes Sims, c'est gentil. Bah c'est normal que je retweete tes Sims. Normal. Par contre, Killnem, oui, parce que je sais bien que tu fais ça avec PSF Cart. Je tiens juste à dire, ceux qui sont en train de faire ça avec PSF Cart, j'ai pas encore reçu le tout premier don qu'on m'a fait il y a quelques jours de PSF Cart, donc j'ai contacté Tipeee Stream pour voir un petit peu si c'était normal, pour pas que vous fassiez des dons pour rien. J'ai contacté ce matin, donc voilà, parce que ça, je trouve ça un peu bizarre, donc voilà. Normalement, Tipeee Stream, c'est Tipeee, quoi, donc ça devrait pas... C'est juste un petit bug que ça, et ça va être résolu. Mais merci beaucoup, Killnem. De toute façon, je suppose quand même que je l'aurai un moment, donc voilà. Merci beaucoup, c'est très très gentil pour ton don. Merci beaucoup. Gros bisous, mon Killnem. Donc, Wakfouté, donc, Miaou, je vais t'ajouter, Miaou, ah ouais, t'es niveau 109. Elle a pas de chance. Mais vous me faites tous chier, là, avoir des niveaux de malade. Bon, c'est pas grave. J'ai mis ton pseudo ici et ton pseudo Twitch ici. Comme ça, voilà. Mais oui, je peux t'ajouter à mon groupe si tu veux. Hop. Voilà, ok. Par contre, toi que foutais, moi je te dis déjà, je vais faire la quête de l'été, là, donc ne t'attends pas à ce qu'on fasse des donjons là maintenant. Non, si à l'occasion, dans le Discord, je suis connecté et que justement, toi aussi, il y aura moins de se faire du Wakfu en hors live si tu veux. Hein. Mais voilà, faut que je sois connecté à ce moment-là, que j'ai rien de prévu. Enfin voilà, j'ai toujours plein de trucs à faire sur le côté, donc voilà. T'attends pas à un rythme soutenu de jouage ensemble. Voilà. De jouage. Si ton jouage se rapporte à ton plumage. À ton plumage. Je vais dire une connerie, mais je vais fermer ma gueule. Pour mieux que je me taise. Vas-y. Non, ça serait du trash talk. Ça serait du trash talk. Donc, comme si c'était la première fois. Vu ce qui traîne sur Twitch, les amis, j'ai envie de dire. Vu des meufs qui traînent sur Twitch, je suis heureuse d'être moche dans ce cas-là. Tu vois là. Non, je déconne. Je ne m'estime pas moche. C'est juste une. C'est pour rigoler, c'est pour du rire. C'est pour du lol. Ah, il y a du cuivre ici. Je vais l'ajouter. Hop. Comme de quoi on peut trouver du cuivre dans cette zone. Hop. Bah, tu sais où je suis, hein, Wakfouté. Du cuivre et du bronze aussi. Donc, Kimnen qui te demande ce que tu vas faire cet après-midi, je dis.
Cet après-midi, je vais tout simplement aller dans une petite foire médiévale qui est vraiment pas loin de chez moi, c'est à 20 minutes à pied, et je vais voir un ami, je vais voir le troll. Mon ami, le troll. Tout simplement. Skindar n'est pas encore rentré de son jeu de rôle. Il était parti mardi, il rentre demain. Il est temps qu'il rentre! Ça commence à faire long! Et toi, Boone, que vas-tu faire de ta journée? Je pense que je vais en profiter pour avancer sur le tournage de quelques épisodes. Oh! Vous voulez que je monte un truc épique, les gars? J'ai fait mon premier timelapse en Minecraft. Oh! Allez, vas-y. Je vais mettre le lien dans le chat. Je ne dirai pas ce que c'est parce que c'est un truc que je compte pas partager sur YouTube. D'ailleurs, c'est même pas sur ma chaîne principale. C'est sur ma chaîne privée et pour avoir le truc, faudra avoir le lien. Donc ça, voilà. Pourquoi tu mets pas directement sur ton écran? Parce que je n'ai pas envie de mettre ça directement sur mon écran. C'est du Minecraft et je fais du Wakfu. Voilà, je vous laisse aller voir. Tu peux, vous pouvez cliquer sur le lien. Boboon, toi, je sais que tu l'as déjà vu avec beaucoup de fierté. Je vais aller voir. Hashtag curiosité. Ah ben, tu peux. Ça doit t'en être rigolé, les gars, on aura compris. Hein. Trouvez le message à la place de Bonta. Il est où? Elle est où cette bouteille à la con? Ouais. Et après on va parler de moi. Bah oui, mais ça me fait. Bravo Jody, bravo. Je suis fier de toi. Ah mais c'est privé, tu vois, c'est pas un truc. Ouais, je comprends. Jody, tu mérites une gommette pour ton timelapse. Et bah écoute, Killnem, tu fais point d'exclamation gommette rouge ou bleue ou blanche, tu mets ce que tu veux, voilà, tu me refais ma gommette. Donc c'est merveilleux. Ah mais c'est épique. c'est mon premier timelapse, les amis. C'est vrai, c'est mon tout premier. Merci Killnem pour cette gommette rouge, c'est très gentil. En plus c'est mon tout premier, c'est la première fois que je manipule ce mode pour voilà, donc j'espère le manipuler d'autres. C'est joli. Aléria. Bon, j'essaierai de mettre le lien en description pour la rediff si j'y pense, mais ne vous attendez pas, j'aurais peut-être sûrement oublié, donc voilà. Mais alors, et le pire, bonjour Red Panda, le pire c'est que je l'ai envoyé en message privé à Aurélien Samaillère. Et il m'a pas répondu bizarrement. Bizarrement. Le mec va se dire oh putain. Oh là là, bon. Il y a Raël Tris qui t'a demandé si tu peux aussi l'ajouter. Où? Ah salut Raël Tris. Sarok. Ouais, je peux t'ajouter, ouais. Maintenant, pareil, ne vous attendez pas à ce que je... À du haut niveau... Mais vous faites chier avec tous vos hauts niveaux, là Qu'il aime, qu'il dit, Aurélien, regarde, moi aussi, je fais des timelapses. Oui, c'était un peu ça. C'était un peu ça. Oh là là, c'était complètement ça, en fait. J'adore qu'il naïve. Aurélien, regarde-moi. Moi aussi, je fais des timelapses. Bah oui, c'est ce que. Oh mon Merci. Dieu. Je me suis fail. Oh là là. Et en plus, ce que j'aime bien dans ta timelapse, c'est que non seulement ta construction, elle est entre guillemets what the fuck, mais t'as derrière la musique épique. Ah, c'était complètement le but, hein. C'était complètement le but. Ah, mais c'est bien fait, j'aime beaucoup. Voilà.
À la rigueur, t'aurais fait la petite dédicace pour Aurélien Samotte. À ma grosse frite. C'est ça. Oh putain. Ça aurait été le jeu de mots. Ah, mais et le pire, c'est que c'est Lilo qui m'a. J'avais déjà un peu regardé la vidéo dorée pour un peu comment fonctionnait ce mode-là, le replay mode. Mais j'avais refait avec Lilo. À ma grosse frite, MDR. Mais je dis qu'il se met au-dessus à la fin et on se rapproche, un vrai petit spermatozoïde. Oh non. Qui l'aime. Le respect n'est pas là, mes amis. Il est parti. Dans le lointain. Eh oui. Même pour le respect, le jour du Seigneur arrive. Bon. Ah bah ça, c'est pas loin. C'est-à-dire que le samedi, c'est la veille du jour du Seigneur. Faut bien aussi qu'ils se mettent dans les conditions. Je dis, je peux faire la quête avec toi. Oui, vous pouvez venir, y a pas de soucis. Bah, il faut juste que vous trouviez les bouteilles. Mais moi, les gars, je vais quand même avancer. Quoi. Je vais pas passer ma vie à vous attendre. Ça, je vous le dis déjà, ne m'en voulez pas. Je dis, tu pensais à qui quand t'as fait le timelapse? En sachant que je l'ai envoyé Aurélie après, ça serait un peu inconvenu de dire que je pensais à lui. À une grosse frite du Lilo. Lilo, dis donc. Lyria, bah Indra, qui d'autre? Bah oui, voilà, écoutez. J'ai refait les attributs d'Indara. D'accord. C'est un petit peu chelou. Non, vous savez qu'ils sont en laine, tu vois. D'accord. Bah. Ça ouvre des dossiers quand même. Hein. Ça ouvre des dossiers. S'il m'entendait, mon Dieu. Heureusement qu'il n'est pas à la maison. Ah, oh, mon Dieu. Oui, je suis dans la bonne zone. Où que c'est ce petit truc? Ah voilà, c'est ici. Oui, tiens, je voulais voir avec les. Au niveau du stuff que j'ai là, il y avait un stuff que je pouvais pas remettre maintenant. Ah, c'est au niveau prochain. Bon, on va aller à Brakmar, trouver le thé de Brakmar. T'as à parler de sushi dans le chat, ça me donne envie d'en manger ce midi. C'est que moi je peux peut-être aller au supermarché, peut-être m'en chercher, mais. Mais à midi, Indara m'avait pris des petits quelques plats préparés parce qu'il savait que j'ai la flemme de cuisiner. J'ai un homme génial. Avant de partir, il y en a un qui est bon jusqu'aujourd'hui, donc il faut que je le mange aujourd'hui. C'est un genre de riz avec un peu du poulet hindou, un truc du genre. D'accord. Moi, ce midi, j'aime chercher une bonne mitraillette. Oh, ouais, de low cost. Mais j'ai trop envie de frites. Ça fait depuis mercredi soir, j'ai envie de frites. Une mitraillette? En Belgique, une mitraillette. Vous en avez pas en France, en plus. C'est une... Attendez, je vais vous montrer ça. Donc, ceux qui font la quête avec moi, moi, je vais à Brakmar, hein, je vous le dis déjà. Ça sera mon prochain lieu. Putain. J'ai trouvé une mitraillette, mais il y avait un chaton dedans. Donc, hop. Bon, c'est vrai que là, l'exemple que vous avez, c'est qu'une bière, mais à la base, vous pouvez boire ça avec ce que vous voulez. Hein. C'est un truc, c'est typiquement belge, j'ai envie de dire. D'accord. Donc, c'est un plat que vous avez en friterie. Je le mets à l'écran, hop, pour vous montrer. Voilà. Donc, c'est un genre de baguette, pas français, quoi, où vous mettez une viande, des frites dedans, de la sauce que vous voulez, que ce soit mayonnaise, ketchup, ce que vous voulez, parce que c'est qu'en Belgique, en plus, on a une carte des sauces qui est vachement plus développée qu'en France. D'ailleurs, je me rappellerai toujours, As de Marvel Corp, il y avait la gueule de Dark Evan quand il a vu la carte de son mode. Oh, vous avez carrément une carte des sauces en France, on a juste cette sauce-là, c'est tout. Non, on a Andalou, Stark, là, on peut mettre tout ce qu'on veut sur les frites au niveau des sauces. Parfois, moi, généralement, quand j'en prends une, je demande avec crudité parce que j'aime bien avoir un petit peu de salade et tout avec, donc voilà. Voilà. Ouais, en fait, ce que vous appelez mitraillette, c'est l'équivalent d'un américain chez nous.
D'un fait. Américain, d'accord. Ouais, on appelle ça un Américain. En fait, c'est ça, tu choisis le pain baguette, hein, tout simplement. Après, donc, de la sauce de ton choix dans ton pain. Une viande, il y en a même qui prennent soit de la fricadelle, soit qui prennent du steak, soit qui prennent... bon, voilà, t'as le choix. Des frites dedans. Attends, c'est qui ? Vous achetez plein de gens au groupe, là Attends. Non, c'est pas ça, c'est juste qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que les sushis qui... ouais, mais... Mais, enfin, ajoutez pas tout le monde au groupe, quoi, parce que sinon, ça va pas le faire. Putain, elle m'a donné faim avec sa mitraillette. 11h26. Moi, non. Ah, maintenant, je sais pas, j'hésite. Sushi, est-ce que je prends japonais, est-ce que... Oh, putain, je sais pas. Ah, le dilemme, quoi. Le dilemme de gros fou. Je sais pas, que faire. Le dilemme du bouffeur. Oh, putain. En plus, c'est bon, quoi, dans les deux cas de figure. Le japonais, c'est bon. Il y en a un qui est un peu plus sain que l'autre, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, j'ai envie de te dire, bon, de temps en temps, se faire plaisir, un petit peu de malbouffe, ah, c'est bon. Hein. J'avoue. Mais voilà. Ouais. Suis ton cœur. Oui, Killname, je suivrai mon cœur. Après, c'est de ma faute pour le jeudi pour la mitraillette. Non, mais c'est vrai, mais bon, voilà. Ça donne faim quand tu vois une belle image avec des bonnes petites frites bien croustillantes et tout. Et là... Tu m'excites. Ah, d'accord. J'ai dit, comme j'ai dit hier, érotique pas porno. Hein. C'est ce que j'ai dit hier. Érotique pas porno. Ah, mais très bien. Donc, si l'érotisme consiste à te parler de frites, très bien, allons-y. Tu veux voir ma grosse frite? C'est ça. Je te montrerai ma grosse sauce tartare. Oh. Oh. Non, on a dit érotique, pas porno, qu'on a dit, purée. Ah, bah, c'est pas pornographique, ça parle nourriture. La ça existe, hein. Oh, Bouboune, non, oh, Bouboune. Différence culinaire entre la Belgique et la France. Oh, Bouboune, c'est bon, ferme ta gueule. Hein. Quoi? Commence pas. Je déconne, hein. Je déconne. Non, et par contre, si vous avez. Je savais pas que vous aviez plus de sauce que nous en Belgique. On a plus de sauce. Mais vraiment, vraiment plus. Genre, on peut avoir une carte jusqu'à parfois 15 sauces différentes, un truc de ouf, quoi. Très vache. Oh, nous, c'est vrai qu'on se cantonne. On a la sauce blanche, par contre, le kebab. On a la mayonnaise, le ketchup, forcément, hein, modèle américain. On a quoi d'autre? On a la sauce andalouse, samouraï. Tellement bon, la sauce andalouse. On a la sauce samouraï, la sauce américaine. Je crois que c'est... Après, on a sauce au poivre. On a la sauce burger aussi. Après, ça dépend des lieux. Coucou, où tu vas en France. Ouais, ça dépend. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Rien du tout. Imaginez une bonne demi-baguette croustillante avec des frites bien cuites et puis du bon steak. Putain, allez, vas-y, c'est bon, Speedy, je me lâche. Sushi et frites, les gars. Je vais même mettre les sushis avec les frites dans le pain français. Fuck off, tu vois. T'imagines le stream de Jody. C'est pareil. On imagine qu'on appelle ça un pain français. On en parlait quelque part hier avec... avec Kitsu, hein, finalement, Jody va quand même se lancer dans les streams cuisine et va montrer.
Et elle va quand même nous montrer une énorme baguette bien cuite, remplie de viande, de sushis, de frites, de sauce. Le truc, tu prends ça, t'as juste l'impression que tu baisses ton régime en même pas 30 minutes. Tu vois, c'est... Juste en regardant, tu prends 5 kilos à la minute. En plus, t'imagines, tu goles de ça avec une petite bière. Ah bah là, on est bon, quoi. Oh ouais. La fille, oh ouais, une bière. La grosse alcoolo, tu vois. Ah, qu'il l'aime, tu sais, il va passer un dessous, tu vois. Non. Je vais peut-être boire un petit verre de vin cet après-midi, ce midi avec mon petit truc au riz, là. Ça sera nickel, ça va passer d'équerre. Bon bah voilà, et... T'as Lilo qui fait jeudi porn food. Ah mais de toute façon sur mon Instagram vous avez de la bouffe hein. Ça m'arrive de mettre des photos de bouffe sur mon Instagram. Instagram d'ailleurs si vous ne l'avez pas. Hop. Voilà, c'est publié dans le chat. Si vous voulez. Ah c'est ça qu'il name. Jeudi, elle va nous faire des vidéos cuisine, mais elle va juste nous montrer à bouffer. Et rien d'autre. Démerdez-vous. Alors, aujourd'hui, en direct de la cuisine de Jody, nous allons voir comment... Cuisiner le chat. Et oui, très très simple, vous allez voir. C'est très très bon, très succulent. C'est comme du poulet. C'est comme du poulet, ça se mange sans faim. Trop con. Et si jamais vous n'avez pas beaucoup de temps, une des spécialités de Jody, le sandwich. Vous prenez un morceau de pain, une tranche de jambon, un petit peu de beurre, et vous avez un jambon beurre. <Ta-da-da-da> C'est ça. N'importe quoi. Salut Kitsu. Par contre, je regarde parce qu'il y a un PNJ. Il est tout le temps là, ça fait des mois que je le vois là, maintenant, et je vais voir que j'ai presque le même skin que lui. Et c'est la guilde Les Coquines, elle a le grade de Maman Noël, et son prénom, c'est Sodonille. Ah, oui, j'ai pas osé relever. Il y a déjà quelques mois, avant que j'arrête de jouer Wakfu, elle était déjà tout le temps là, je ne sais pas ce que c'est pour un PNJ. Salut Kitsu! Quoi? Le mieux de revenir la semaine prochaine au programme Azen Ching, invité spécial qui nous ont préparé du chien! A bientôt les sushis! Oh putain, Lilo! Oh ce trash talk! Oh ce trash talk! Alors nous avons Squall qui nous dit je bosse dans un hypermarché aux condiments. Alors mayonnaise, moutarde, plusieurs sortes à l'ancienne, miel et tout ça. Nous avons tartare, béarnaise, burger, samouraï, aioli, américaine, curry, barbecue, fish and chips, pommes chips, et je dois en oublier. Oh, ah ouais. Nom. Donc... Secourir l'inconnu au palais marin sur l'île de Bilbiza. Il faut que j'aille à Bilbiza. Lyria, on ne mange pas les poneys. Mais bien sûr que non. On les monte. Pourquoi est-ce que j'ai tout les trop mal tourné? J'en ai marre. J'en ai marre d'être moi. J'en peux plus de moi-même. J'en peux plus. Il faut Kindara rentre, qu'il fasse quelque chose. Tu vois. Pourquoi Jody s'appelle Jody? Je ne sais pas. Je demandais à ma mère. Hein. Enfin non, moi je sais. Mais Oh, la petite musique à Bilbiza. Bon. C'est où que je vais secourir le mec? Ok. Lyria qui est un poney et un sushi. Très bien, donc un poney sushi. Mais moi je suis un cucurbitacé à queue courte. D'accord. Un cucurbitacé à queue
courte. Très bien. Cucurbitacé. La queue courte. Je cucurbitacé, queue courte. Je j'aime beaucoup, Jody. Voilà. Tu m'as fait des trop flippé avec ta boîte à son à la con. À la réaction en live, c'était. Putain, qui n'aime. J'ai pas vu la réaction, je peux pas faire en. Non, je porte mon arrière, c'est nul. Ah, c'est con, hein. Et Bouboune, c'est un poney à queue longue. Oh, putain. Alors, qui n'aime, tu as l'air de connaître des choses. Sur Bouboune. Ils ne le savent pas. Après, ça ne nous regarde pas. Hein, ah, et merde. Je te cache pas. Comment tu sais qu'il n'aime? Oh putain! Vous allez vous calmer là tout de suite là! J'ai rien dit, c'est lui! Non, ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Juste ta gueule! Commence pas! Fais pas une kitsu, hein! C'était. Bon! Mais j'ai quoi? Je le taquine, c'est bien. Bon, le petit groupe là qui est avec moi là, vous voulez pas venir là par hasard? On va faire un donjon. Viendez. Mais Kinen, tu as oublié qu'il te trompe avec Nathan. Oh mon dieu. Bon, ok, donc nous avons sur Jody Dreams les Feux de l'amour en remix. Donc, vois-tu, il y a une relation qui se crée entre Kinheim et Boone, mais Boone trompe Kinheim avec Nathan. Une grande passion est en train de naître entre ces hommes. C'est beau. J'avoue. C'est beau. Jody, non, on va se faire une petite partie de Sims. Hein. Si on vous fait chier, vous pouvez le dire. Hein. J'ai l'habitude, mais je lui pardonnerai toujours, c'est plus fort que moi. Oh, Kinheim. Qu'est-ce que c'est beau ce que tu dis. Franchement, tu m'atteins au plus profond de mon. Non, 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 les droits d'auteur, 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 arrête les droits d'auteur. Attends, s'il te plaît, arrête avec ta boîte à son parce que j'ai pas envie de me bouffer un odeur ou un truc du genre. Même si c'est pas grand chose. Je sais, oui, mais je voulais bien mettre. J'avais envie de mettre la rediff, tu vois, pour une fois. Ah. Bon, coucou Grim. Jody, elle a stressé. Mais oui, mais. Bon. Par contre, j'en ai marre de ce personnage qui a des hauts talons, là. Ça me saoule. Mais il me faut d'autres vêtements, ça me saoule. Ah, j'ai ma tenue de guilde, c'est vrai. Je m'entends en écho chez quelqu'un. Fort. Wouh! Oh, putain, Natsu! On a tous séparé, je crois. J'ai mis un AFK le temps qu'ils reviennent. Je dis pas ça. Je dis pas ça. Putain, non! Natsu? Ouais, mais non, mais j'ai un écho là, Natsu. Natsu? Natsuo. Nous avons perdu. Nous avons perdu Natsu qui. Eh ben, ce qui me dit attends, mais j'avais un gros écho. Je te reviens 10 secondes. Ok. Ouais.
Ouais, j'avais un gros écho dégueulasse qui venait de chez toi. Ah bon? Ah ouais, ouais. Bizarre. Non, non, c'est... À mon avis, c'est... Peut-être que c'était un branchement au niveau de mon micro, peut-être que ça a dû un petit peu interférer. C'est pour ça. Je ne sais pas. Je ne saurais dire. Pourquoi je peux pas prendre mon lumine? Pourquoi je peux pas prendre mon truc? Bon. Par contre, on va faire le donjon en 2-3 mouvements. Oh purée, c'est la même que moi! Elle a la même couleur de cheveux que moi! C'est relou ces meufs qui ont toutes la même gueule, c'est chiant! Oh non, Snow, non, putain. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, bah, j'ai ouvert la porte ce matin à mon chat pour qu'elle aille dehors. Et puis elle a été foutre ses pattes dans la boue, elle m'en a mis partout, putain. Courage. Oh, je vais vite détruire la tête, là. Franchement, sérieux, ça m'énerve. En plus, j'ai lavé ce matin. Non, mais t'es sérieuse. Courage. Ton chat, il t'a fait « Don't give a meow !» Ah non, mais en plus, je t'explique vite fait. Déjà, de base, bon, tu dois peut-être savoir... Blanche. Et elle s'est roulée partout. Elle est complètement sale et tout. Ah, ben ça sert à rien de me regarder comme ça. Va, bah là, c'est clair, la douche, tu vas la prendre. Alors là, j'en ai rien à foutre. Elle est en train de me regarder, elle a l'air de dire... Eh, coucou, maître. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'y pense, j'ai pas mis mes lefets, tiens, sur ma chaise, les amis, j'en suis désolée. Ça te donnera une raison pour pas aller chercher de la malbouffe. Jamais. Jamais, Kimen, tu m'entends? Et bienvenue à Sandy. Bienvenue, Sandy. Bon, comment il... Je vois que les gens sont partis du groupe, d'accord, ok. Miaou, viens, miaou, viens. Miaou, miaou, miaou. Viens, wakfouté. Viens, wakfouté. Grouille. Tu de là. Allez, tu te casses. Je vois un petit peu ce qu'il a. Waouh, tous les trucs. Oh, il a des trop belles choses, la personne qui habite ici. Qu'est-ce que t'as en vitrine? Essence de chuchoteur et muloupe délavée. Ok. Genre, elle était en train de monter sur mon lit avec ses pattes toutes seules. Non, mais elle est cinglée. Ah, tu me diras, ça va? Elle est irrespectueuse. Elle a appris le non-respect. C'est bien. Aussi dissidente que son maître. Bon, miaou, j'en suis désolée, mais ce cas, c'est que moi, je vais pas rester à attendre. Ah, clé marin. Ah, mais il en faut deux. Ah, mais il oui. Il en faut deux. Mais je vais juste retirer ombre du groupe. Ouais, mais voilà, c'est relou. C'est un donjon quel niveau? C'est un donjon niveau 36, je suis 68. Mais écoute, toi, écoutez, je suis désolée, mais je vais pas rester là 3000 ans à attendre. Il faut que je... Enfin voilà quoi, je vais pas rester là à attendre et rester fixe là pendant 3000 ans, donc je vais déjà commencer, désolée. Donc il faut... Qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver les clés? C'est ça que j'ai cru lire? Qu'est-ce que j'ai à faire? Il m'a filé un truc, paix de la madraque. Qu'est-ce qu'on a trouvé?
Ok. Qu'est-ce que ça me ramène? Au pire, tu me rejoins, hein, Wakute, hein. Il y a des petits châteaux de sable qui se baladent, c'est trop mignon. Attends, tu vas pas me dire qu'il faut déterrer les mobs. J'ai cru que j'allais dire qu'il faut déterrer les morts. Oh putain. J'étais là, je me dis, oh non. Tu peux, je teste là-dessus. J'aime beaucoup les paysages du jeu. Ah, ils sont chouettes, moi j'aime bien. Ça, je trouve ça très inspirant pour du Minecraft. En plus, c'est... Combien de fois c'est cubique. Ah, j'ai eu un truc. Combien de fois je n'ai pas voulu Boboon refaire tout l'univers dans ça le... Ça génial à faire. J'ai déjà pensé plusieurs fois à refaire toutes les maps dans Minecraft. Je pense que ça peut être assez simple dans le sens où c'est que c'est très cubique, donc... c'est d'adapter ça sur Minecraft, ça peut être relativement simple. Tu viens de me donner une de ces idées de luxe, Boboon, si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais je pensais exactement la même chose, tu sais. C'est pour ça que tu veux que... Ah, mais comment est-ce qu'on est, quoi? Krimoki, tu peux creuser partout, ça change rien. Ok. Putain, mais le château de sable, littéralement un château, mais un château de sable, quoi, c'est génial. Que tu te bats contre, ouais. Oui, les petits monstres, c'est des châteaux de sable ou c'est des petits pâtés. Bah, t'as des quêtes, généralement, qui sont temporaires. Maintenant, c'est un donjon fixe, celui-là, mais ils ont mis une quête dedans, en lien avec ce donjon-là. Le pâté impérial. C'est ça. Ok, ça m'a ouvert la truc en face. Par contre, faudrait que je trouve un petit nom à mon chat. Je crois que moi je l'avais appelé le chat. Je crois que j'avais trouvé un petit nom quand même au chat. Ah oui, non, j'avais pas modifié son nom. Ah si, je l'avais appelé Céleste. Oh, je l'avais appelé Céleste, mon chat. Coucou Itsari! Déjà faire les 12 temples, c'est chouette à faire des 12 temples, what the fuck. Il y a tellement eu de changements en fait sur les quelques mois où j'ai pas joué que bah, je me sens paumé, mais. Point, mais tu croirais une poule qui a trouvé un jeu de cartes, quoi. Poule qui a trouvé un jeu de cartes. Elle est en mode, what the fuck, man. Qu'est-ce que ça fait dans mon poulailler? Poula-poulailler. Poula-poulailler. Oh, what the fuck, qu'est-ce que ça leur a fait? 80 de maîtrise d'eau, ok, donc en gros, ils ont des bonus. T'as les mobs qui font des émotes. Est-ce qu'on est quand même en train de parler d'un château de sable qui te donne des coups de râteau? Oui, tu as très bien compris. Ok, je vais signifier ma... Oh, tu invoques la pluie et mais moi je suis feu, tu vois, je suis pas haut. Bah, tu brûles, ça fait du verre, ils sont hippies, ils crèvent quand même dans tous les cas. Bon, putain, mais ça marche. TGCW. Ta gueule, c'est Wakfu. D'accord, c'est... Bah, tu connais pas la référence TGCM? Ta gueule c'est magique dans les trucs. Voilà. Le fameux ta gueule c'est magique, ça passe toujours. Hein. Voilà. C'est comme le 42, hein, j'ai envie de dire. C'est comme le 42, oui. Mais d'accord. Faut pas prendre ça pour toi, Boboda. Non, mais il a aussi le ta gueule c'est la science ou un truc comme ça qui marche aussi très bien. J'avoue. Dans les films de science-fiction, il y a des trucs qui sont absolument incohérents, mais ta gueule c'est scientifique.
Ça m'a ouvert une autre porte. C'est pas celle-là, elle est où, l'autre porte? Peut-être par là? Ah voilà, elle est là. La porte, tu pouvais la passer au-dessus. Ah bah non, c'est un jeu, lol. Oui, oui, Killname, oui. Killname a enfin... compris le concept d'un jeu. C'est ça. T'offrons une gommette, Killname. Je t'offre une gommette blanche pour cette observation. Ah merde, je me suis gourée. Je me suis fail dans mon truc. Hop. Ceci était un fail. Voilà. Un fail de catégorie 2. Je t'offre une gommette blanche. Merci. C'est gentil. Bot. faut savoir que Nightbot, il sait se montrer gentil. Hein, ah, mais Nightbot, il est... Il ne fait pas que Théo, hein, mine de rien. Non. je voulais le renommer Alan Théo, enfin, j'ai déjà fait la blague à ton live, je sais. Au début j'étais là, Alan Théo, elle l'a fait, elle l'a dit. T'as tout le monde qui était là en mode, mais qu'est-ce qu'elle raconte la madame. Ah oui, mais ils sont jeunes. Hein. Ouais, bah ouais. C'est le moment où tu te sens vieux. C'est ça. Ta gueule jeudi. Ah oui, c'est un peu comme hier avec Kitsu, t'étais en train de faire la blague et t'as qu'une seule personne qui te suit, voilà, c'est la streameuse. Voilà, tu te dis, bon, bah c'est tout. La blague est passée à la trappe. Non, mais moi j'avais compris ta blague et je l'ai beaucoup appréciée. Voilà, c'est ça. Oui, je sais plus ce que c'était, mais je l'avais beaucoup appréciée. Et bienvenue à Chachou, 974, bienvenue à Chachou. Il y a de quoi qui dit, emmène-moi, moi je l'ai vu en concert il y a pas longtemps. Eh ben écoute, j'en suis désolée. J'en suis vraiment désolée pour toi. Rip, voilà, rip. Hop. Mais écoute, comme tu vois, Wakfouté, t'auras aucun mal à faire le donjon tout seul. Hein. Moi, là, je suis niveau 68, enfin 67 et je le fais, mais nickel, quoi, ça passe tout seul. Ça passe comme papa dans maman. Ah bah voilà. Ah oui. Ah, papa dans maman, là tout de suite ça me parle. Ouh, ah bah voilà le boss. Le boss c'est un gros château de sable. Ah voilà. Je vais juste m'asseoir, hop, un petit peu, le temps de récupérer un petit peu. Attends, j'ai faim, je viens de bouffer un coup encore faim. Il a bien vieilli niveau physique, il est pas dégueu. D'accord, Dolokos. Ah, oui. Mais je crois qu'il a failli faire acteur porno, je crois, en plus, Anteo. J'ai entendu parler de ça sur... je sais plus où. Ah, je... Ah, voilà Wakfouté. Ah, l'ami. Bah t'en as mis du temps, dis donc, hein. Je t'en mets des tartes, moi, dans la goule. Fallait aller plus vite. Paf. Tu vois là. Le pire, c'est que je l'ai réellement frappé, en plus. Oh là là. Et paf le chien. Et paf le... Là, c'est paf le chat, là. Là, c'est un écaflip. Wow. À la fin, bah oui, écoute. Bon. Je pense qu'on va le faire en 2-3 mouvements. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est... Laisse-moi frapper au moins le boss une fois pour que je puisse dire d'avoir fini le donjon pour ma quête de guilde. Hein. Au moins une fois. S'il te plaît, au moins une fois, juste une fois. Valide. 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 Cervelle de Yob, je dis, mais ça va aller, dis, je t'emmerde. Bon, moi je fais les quêtes de guilde, hein. Cervelle de Yob, là.
fête à Dolokhoz. Laisse-moi le frapper. Au chalet. Une fois au chalet, mais allez. Ouais, ça va, hein, on va pas me pénaliser pour ça. Ça s'est passé qu'une fois, et en plus au chalet. C'était au chalet, hein. Ça va. T'as pas mort d'homme. T'entends, donc laisse-moi frapper le boss au moins un coup, hein. Ouais, je t'attends dans ma guilde après si tu veux bien. Peut-être essayer de voir si je peux pas. Mais putain. Laisse-moi bouger, monstre de merde. Ah, ça lui fait rien, le fils de. Ah. Méchant. Ah, fils de méchant, mais bien sûr. Donc je sais les amis que j'ai arrêté la javel, mais je veux pas insulter, je les insulte pour rien non plus, hein, les amis. Des jurons, ok, mais voilà. C'est rattrapé vraiment juste au dernier moment, tu vois. Donc c'est quoi ton truc? Le sable protège le château, sauf si une de ses invocations se trouve dans la zone de tremblement. Donc en fait, ce qu'il y a, il faut que tu t'en rapproches, Wakfouté. Il faut que tu te rapproches du château de sable pour que ses invocations soient dans la zone de tremblement. Donc la zone où il fait les trucs. Maintenant tu peux le taper, ouais. Mais oui, mais maintenant, ouais. Mais il va ressortir des invocations. Regarde-toi, il nous lâche des invoques, tu vois. Ah, là il y a moyen. Ah ouais, non, je sais pas. Je vais tester un truc. Je vais le troll. Déjà, tu vomis, tes tripes, on échange de place, parce que la vie, elle est bien. Et que ben, tout se règle avec la carte kiwi. Ah mais ça lui fout rien! Enlève FDP. Évidemment, la fameuse carte kiwi, on en parle jamais. Après, tu as une classe de type placement. Après, tu as une classe de type placement. Qu'est-ce que tu veux dire par une classe de type placement de Dolokhoz? Ouais, c'est vrai que j'aurais pas dû le tuer. Ah, mais là, regarde. Là, il est dans la zone. Là, c'est juste question qu'il est dans la zone. Qu'est-ce on va y arriver. Un arbre à chat, c'est quoi ce truc? Je sais pas. Ah, mais ça lui fait rien, ce fils de. Ça lui fait rien du tout. Mais pourtant, on a les autres mobs tout près. Il est au cac avec. Ce fils de sushi. Voilà. Tu peux. Ouais, bah oui, juste c'est vrai, tiens, c'est vrai que je peux déplacer des trucs. Il est résistant pour un château de sable, hein, dis donc. Complètement. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il est assez technique parce que, comment te dire, il est invulnérable. Il est invulnérable, en fait, tant que... Attends. Donc, le sable protège le château, sauf si une de ses invocations se trouve dans la zone de tremblement. Donc, en fait, il attaque où il tremble, il tremble, en fait, et donc ça fait spawner une invocation. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'une invocation soit près de lui pour lui faire des dégâts. C'est dans la zone où il tremble, en fait, en gros. Voilà. Nalhodo. Oh, mais il vient de me donner une de ses fessées, ce château de sable à la con, là. Jamais j'aurais cru avoir une fessée dans la barre d'un château de sable, quoi. Jamais. Oui, alors, voyez-vous, moi, j'ai... Il y a beaucoup de choses que j'ai écrites dans ma vie, mais... Et dans le désert, vous allez rire, mais je me suis pris une fessée par un château de sable. C'était trop bon. Très sensible. Mais maintenant, ça va, là, on commence. Là, on a commencé à voir le bout. Vas-y, Wakfouté. Allez, mon pote. Ou alors, tu passes ton tour pour les garder tout près de toi. Oui, non, vas-y, tape-le gros. Yeah. Oh, plus j'ai une déco pour mon havre sac, c'est trop bien! On a battu le château de sable! Oh, le pauvre!
Ça c'est quoi ça? Surpati, Surpati. Bonjour Surpati. Il s'écroche sur lui-même. Pion, je n'avais pas besoin d'aide. Je m'en sortais très bien toute seule. Il va falloir faire une nouvelle idée pour bidouiller et réparer ce problème. Mais que fais-tu ici au juste? Ah, qui? Moi, je suis perdue il y a très longtemps. Je crois que je m'ennuyais tellement que j'ai jeté la bouteille à la mer, mais personne n'est venu ici jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai donc continué à fabriquer mes jolies pâtis de sable tout mignons. Mais ils n'écoutent rien. Ils ne font qu'à leur tête. Sacrée histoire. Ok, donc en fait, c'est la meuf qui a créé les châteaux de sable, en fait. Puis je n'ai pas besoin d'aide, je m'en sentais... Ok, d'accord. Kitsu qui dit, je peux me joindre à vous, je serai sage. On va dire que oui. Oh, j'ai débloqué le titre de la vacancière pépère. Oh, c'est trop bien. La vacancière pépère. J'ai débloqué un titre. Et tu as Kinane qui te rajoute, après la fessée d'Aurélien Sama dans les Sims, maintenant c'est un château. La fessée d'Aurélien Sama. What? Dans les Sims. Ah oui, juste, c'est vrai. Je suis en mode, mais qu'est-ce que j'ai fait avec Aurélien? Elle ne se souvient même plus. Mais c'était pas à moi, c'était la Sims. Ah. C'est jamais la faute au streamer, c'est la faute des Sims. C'est bien connu. Bah écoute, tu regarderas l'épisode et tu comprendras. Pas chier. Tout à fait. Salut. Oh, Kitsu. Donc pour rappel, Kitsu, ce n'est pas une chaîne de cuisine, pour rappel, chouchou. Il sait que je... Ça parle de... On parle de bouffe depuis tout à l'heure, oui, et alors? Bienvenue à Walking Sombra, bienvenue à toi. Merci pour le follow, c'est très très gentil. Donc, mais j'aimerais même mettre mon titre, comment est-ce qu'on fait? Parce que là j'ai le titre de Maman Noël, mais j'en ai un peu rien à battre du titre de Maman Noël. Sort, aptitude, métier, héros et compagnon. C'est pas ça que je veux juste... Communauté, politique, guilde, répertoire, passeport, voilà, passeport. Dragogun, sableuse de bosquet, apprenti, archéologue, styliste de Mère Noël, tranche, caillasse, dragogun. J'ai pas le... Faut que je l'active peut-être. Oh, ce bordel dans mon havre sac. Oh. Ah oui, Kitsu, t'as pas envie de te connecter sur Wakfu que je te file ton truc là? Oui, j'arrive. Parce que ça encombre mon contact pour rien. Hop. Ah oui, donc dans la guilde, il voulait que je l'ajoute dans la guilde. Miaou. Bon bah, Miaou, je te demanderai juste de temps en temps quand tu te connectes. De faire les quêtes de guilde, tout simplement. Enfin, pas automatiquement, mais de désactiver automatiquement, comme ça si tu fais un truc, bah voilà. Hop. Voilà, bienvenue à toi Miaou, tu as commencé en tant que membre, il faut juste que je refasse une refonte des quêtes de guilde. C'est tout bas, hein. On n'est vraiment pas très haut. En tant que membre, oui, pour le moment tu sais encore rien faire. Mais on verra plus tard quand je mettrai membre populaire, tu pourras recruter des membres, des potes ou qui tu veux. Là pour le moment je vais te laisser en tant que membre, tu es à laisser mon ami, d'accord? Écoute, il faut. Moi je vais retourner à Strub. Je voulais dire, ta cervelle de yop favorite arrive. Oh. Oh putain. Je vais te faire une odeur parce que je vais me taire. Je vais recevoir un mail là maintenant, je suis en merde. La tête de Jody. Je dirais en hors live parce que je peux pas le dire là maintenant. Rien qui vous concerne. Tu as l'air très perturbé. Bah écoute, on m'a envoyé une photo d'un zizi, hein, ça fait, hein, tu vois. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu mon timelapse, les amis. D'ailleurs, voilà, si jamais dans Use Your Words, utilisez cette photo hein, de Jody qui est complètement surprise. Scoop, elle vient de s'apercevoir qu'il y a un deuxième zizi. Oh. No way. N'importe quoi. Enchantée, je suis Gnad, Mérine de Tortue, je cherche des fiers pour...
Je suis là jeudi. Bon, deux secondes, choupinou. Donc tu connais normalement d'avoir pu faire ta connaissance, donc j'y penserai. Ok. Bah écoute, je suis dans... T'es où? Là où? Au même point de spot que la dernière fois, le Tefalio. Faut vraiment que... Il faut que je refasse le donjon encore une fois? Oh. Elle a pas été validée, ta quête? Si, si, mais il me demande un truc. Je regarde l'heure qu'il est, ouais. Kitsu, est-ce que... De toute façon, moi, je vais mettre fin au live. Kitsu, est-ce que tu sais venir à Astrub? Oui. Bah, pour que je te le donne, quoi. Et comme ça, je trouve le petit nouveau de la guilde. On a un petit nouveau. C'est un petit sushi du Discord, en plus. Donc, si vous désirez faire partie de la guilde... Je dis ça pour ceux qui... Je m'adresse à ceux qui regardent la rediff. Même à ceux maintenant, bien sûr. Je vous demanderai, en fait, d'être... actif sur mon Discord, d'être sur mon Discord que j'ai déjà entendu parler et que je puisse correspondre avec vous assez facilement. Donc voilà. Je pensais que ce fricadelle allait faire plus d'effet. What? J'arrive un jeudi. Je t'en prie. J'ai trouvé du blé, donc je préfère prendre quelques grains au passage. Bon, en fait, notre live attend tout le monde, c'est pas grave. Je vais mettre fin au live, les amis, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous serez bien... T'es pas utilisé... Mais écoute, je t'envoie le... Hop. Voilà, pour ceux qui veulent Discord, voilà. Voilà Discord. C'est qui le mec qui fouette? C'est Wakfouté dans le chat. Son pseudo, c'est Wakfouté. Donc voilà, il est dans la guilde, parce que j'en cours parlé un peu hier avec lui sur Discord, donc voilà. Donc j'espère que vous aurez passé une bonne petite matinée avec moi, ça aurait été assez productif, on aura eu des nouveaux équipements, on aura fait deux donjons, même si je me suis fait PL dans un, mais bon, voilà. T'es où de Astur? Je suis à Astrub, c'est pas la même chose, ça, Kitsu. Je suis près de la fontaine au centre. Donc voilà, on a fait pas mal de choses, donc j'espère en tout cas que vous vous serez bien amusés, que ça vous aura plu. Je vous rappelle que Wakfu est un jeu gratuit que vous pouvez avoir sur Steam. Donc voilà, et que je vis actuellement sur le serveur d'Atura. Et donc voilà, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, et à la prochaine, ciao ciao. Ciao ciao.